Hey Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de notre partie de Machina Arcana. Alors je comptais la faire en une fois et puis finalement euh, bah, je la fais en deux fois. <laughs> ça faisait déjà quand même deux, deux heures de, de, de partie. Euh, voilà, je vais la couper en, 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 en deux fois, ça me paraît plus euh, pertinent. Alors on en était où euh, On était arrivé au chapitre 5 euh, de, euh, du scénario Loire de Glace. Euh, voilà, donc on avait réussi a priori. Euh, je vous laisse lire ce qui est marqué dessus. Voilà, a priori, on, était, euh, on avait deux tuiles. Euh, on est sorti, du coup, ce qui a un peu réinitialisé un peu tout le, tout le bazar. Et ça a surtout mis en place les objets niveau 3 dans nos différentes pioches. Et on a les monstres de niveau 2 qui sont apparus. Et on a déjà deux monstres de niveau 2 qui sont avec nous. Ici, on a euh, le polyte volant et euh, le rejeton difforme qui sont là, qui nous embêtent. Sachant que le polyte volant est éthéré et que lui, pour arriver à le tuer, ça ne va pas être facile, facile parce qu'il a deux points de vie. Euh, L'autre a un point de vie, peut-être plus facile à battre. Il n'est pas éthéré. Par contre, lui, il peut se déplacer et cibler à travers les murs et les portes fermées. Lorsqu'il attaque, eh ben le défenseur utilise son attribut ayant la plus forte valeur, euh, la plus basse valeur d'armure entre volonté et armure, par qu'il utilise la plus basse. Euh, nos deux personnages, on a Kim Richard qui est ici, qui est tireuse, un petit tireur. Euh, elle a les lunettes prismatiques comme équipement, euh, combiné avec son imperméable et le pistolet ébullissant. Ce sont que des trucs de niveau 1, il hein, faudrait essayer de l'équiper plus, plus efficacement. L'avantage, c'est qu'elle euh, elle a plus un ACG d'attaque, plus un ACG d'attaque quand elle est assise au mur, plus 1 à ses jets d'attaque lorsqu'elle utilise, lorsqu'elle n'a qu'une seule euh, arme équipée, donc ce qui est le cas. Et également plus un à ses jets d'attaque lorsqu'elle touche avec son pistolet bullissant. Donc elle peut assez rapidement euh, aller tataner de l'adversaire la, de, de avec tout ça. Euh, accompagné, on a euh, JC Monroe, qui est également un tireur, qui lui a plus d'équipement qui a le masque grotesque. Euh, ici, qui peut devenir éthérée du coup pour deux actions. Donc, ça peut être sympa pour les taper la tête au polype euh, volant, sachant que également elle a ses lunettes prismatiques, elles, qui peuvent lui permettre au prix d'un des sens de euh, ce que les unités, enfin, de pouvoir cibler les unités, euh, les unités éthérées. Euh, Nous avons également deux armes, non, enfin une arme, un générateur de puissance qui, est une, qui fait des attaques magiques de un des noirs, un des blancs mais également le fulgurateur qui permet de réduire l'armure de 2 ainsi que la volonté de la cible. Donc ça, ça peut être très intéressant. Euh, tout ça combiné de façon à réduire les, les défenses de la cible pour aller leur tataner la tronche. Là, nous avons ici l'atelier qui est ici, euh, à côté, euh, côté d'elle. Euh, du coup, c'est le tour des explorateurs de jouer. Ça peut être assez intéressant de faire activer l'atelier. Je, je, je pense que ça, j'irai activer ça avec, euh, avec Jessie. Euh, le tour, euh, quand ce sera son tour. Euh, donc, on repart directement dans le vif du sujet. Euh, donc, notre amie euh, ici, euh, donc pour 2, du coup, non, pour 3, 3 euh, de vigueur, elle va utiliser l'établi qui est ici. Donc, elle va pouvoir pêcher 3 cartes. Donc, ça avez trois 3 de vigueur. 1, 2, 3. Je vais plus faire pêcher 3 cartes. Je vais lui faire pêcher de l'équipement, en se faire en trouver des équipements, ma foi, fort sympathiques. Le trombone qui est niveau 2. Alors c'est pas mal, c'est une arme à deux mains, mais elle est quand même déjà beaucoup plus efficace que ça. Même si c'est une arme à deux mains, ça fait que du coup, euh, je ne pourrais pas utiliser l'augmentation de 1 sur les G. Après, qu'est-ce qu que, qu que ça vaut le coup ou pas Qu'est-ce que ça provoque euh, Est-ce que ça c'est combien avec ça euh, Oui. Je ne vois pas trop comment je peux faire pour combiner ça. Non, je n'ai pas l'impression que je puisse combiner ça comme ça. Ça fait quoi Lorsque vous tuez, je peux réduire dans la menace ou gagner la naissance. Ça, c'est plutôt pas mal. Euh, L'attaque, donc je fais première attaque de 2-2 deux, deux, et après une attaque de 3 contre un monstre adjacent à la cible. Donc là, un gros tromblon. Je vais continuer à voir ce qu'il y a comme armes, Ça peut être de trouver d'autres armes intéressantes. Je trouve le lance-flamme. Ouais, mais c'est des armes de niveau 3. Celle-là, elle est balèze. 3-2 contre chaque unité qui peut être ciblée à portée 3 dans la, dans la direction choisie. Ça coûte 4. Et sinon, une attaque 3 contre chaque unité peut être ciblée à portée de 2. D'accord, donc je, je, je. Gros, gros dégâts. Euh, pff, moi, je cherche plutôt des armes à une main. Euh, donc, je vais aller voir une autre arme. Qu'est-ce que je trouve Je trouve, ça n'a pas, pas été bien mélangé. Je trouve le Doom Leaper, une arme de corps à corps. Et, Et là, c'est peut-être plus intéressant déjà. Lorsque je tue, je dépense une essence pour me téléporter à une adjacence au monstre. Ah oui, ça, c'est très bien. Les utilisateurs peuvent cibler les unités éthérées. Ça, c'est plutôt, plutôt pas mal, ça. Donc je pense que je vais prendre le, prendre le, je vais prendre le Doom Lipper. Je vais défausser ces deux-là. Peut-être bien que. Euh, peut-être bien que je vais peut-être en laisser une. Non, je vais défausser ces deux-là. Allez, je les détruis. Et je me rééquipe. Alors, je me rééquipe, c'est-à-dire que je vais mettre ça ici. Je vais garder ça comme ça. Et ce que je sais, c'est que avec ici, je, si je détruis deux objets, je peux gagner un objet. Tu vois, par exemple, si je vais détruire. Parce que. Hop là, ça c'est tombé. Les explorateurs peuvent cibler les unités éthérées, ça me dit maintenant. Et là, c'est un peu redondant avec ça. Ma lunette prismatique, qui pour un des... Un, un des sens, me dit que je peux cibler les unités éthérées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ça. Ces deux-là. Bon, c'est plus combiné à ça. Mais je vais détruire ça pour, euh, pour gagner un objet. Et l'objet, je vais gagner une armure. Je gagne le bonificateur, qui est de niveau 3, donc qui est sûrement mieux que mon truc. Effectivement, qu'est-ce que ça va de faire Est-ce que déjà c'est... Alors, euh... donc tant que une de vos mains n'est pas équipée plus un jet d'attaque, ou sinon, qu'est-ce que je peux faire Ça fait beaucoup plus d'armure. Lorsque vous subissez une touche, je résous une attaque contre la cible en utilisant le même jet d'attaque. Ah Lorsque je subis une touche. Je résous une attaque contre la cible en disant le même jet d'attaque. C'est-à-dire que si jamais il me touche en faisant, je ne sais pas, en faisant ça, par exemple, 4, et bien moi, je l'attaque également en faisant 4. Je résous une attaque contre la cible. Une attaque, mais une attaque comment Une attaque, c'est une attaque physique, d'accord, ok. Euh, pff... Ouais. alors du coup, mon Doom Leaper qui est ici, ouais, je vais faire ça. Ouais, je, je vais m'équiper de ça et plus de ça du coup. Ça, j'irai peut-être le donner à, à, à Jessie More après. Donc, on a utilisé le truc qui était ici. Bon, du coup, elle qui était plutôt orientée tireuse, euh, elle s'équipe maintenant avec un Doom Reaper. Bon, c'était une, une arme à une main, j'aurais peut-être dû garder finalement mes armes à deux mains, <laughs> mais c'est pas grave parce que j'ai quand même une attaque magique à 2-2. Par contre, j'ai plus d'attaque physique. Ça m'embête un petit peu, en fait, maintenant, de ne plus avoir d'attaque physique. Si j'ai ça, qui fait une attaque physique. Et j'ai mon attaque qui est ici. Bon, une attaque qui est ici. Donc là, du coup, là, c'est effectivement, tant que je suis à 100 mur, je rajoute 1 à mon résultat. Là, par contre, là, je peux faire du gros, gros, gros dégâts avec ça. Bon, il me reste 3. Euh, pour 3, qu'est-ce que je peux faire Pour 3, je peux tenter d'aller voir l'événement qui est ici. Je vais faire 1. 2 et 3. Je vais me mettre là. Voilà. Sachant que lui, il bouge à combien, le poli-machin Il bouge à 5 et... 1, 2, 3. Et après, là, il peut me tirer dessus. Il peut me tirer dessus. En tout cas, il pourra me tirer dessus de toute façon. Donc, du coup, ben, je vais rester comme ça. Ouais. Je vais rester comme ça. Et c'est à Jesse de jouer. Alors, Jesse, qu'est-ce qu'il va faire Jesse... Il va aller faire 1, 2, 3, 4. Et il va euh, activer le hum, activer le... le mince, la, 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 ah. La case de chapitre, vu qu'elle est allumée, ça ne coûte qu'un de vigueur. Donc il était là, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc il va lui rester deux de vigueur à Jessie. Voilà. Et on acquiert le chapitre. Donc pour acquérir le chapitre, c'est bien simple. On se met, on le retourne. On regarde un peu l'image qu'il y a ici. Et on arrive au chapitre 6. Alors, je peux dépenser un éther pour dépenser jusqu'à 3 cases. Et dès que j'ai fait ça 4 fois, je passe au chapitre suivant. Donc les montres sont générés sur 7. Et là, les horreurs sur euh, du 3. Alors, ça s'appelle la traversée. Je vais se mettre la pause pour lire. On est là pour faire du gameplay, on n'est pas forcément là pour les histoires. Hein. Même si la narration fait quand même une partie assez présente du jeu, euh, quand j'y joue, quand j'y jouerai, parce que c'est une partie découverte, quand j'y jouerai vraiment à la maison tranquillement, je prendrai le temps de lire les cartes. Là, on est là, on est là pour voir un peu comment se passe le, le jeu en, en explorant différentes options. Euh, il, me reste, il me reste deux, deux, euh, deux, deux, euh, deux actions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'assez rigolo là non, non. Je regardais si je pouvais pas activer les pièges en me mettant ici. Mais s'il y a quelqu'un qui va prendre le piège. Euh, parce que pour si je gaspille un d'énergie, des, euh, un d'essence, je peux me déplacer jusqu'à trois cases. Donc, je peux me barouiller quelque part. Euh, si je fais. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, j'ai de l'essence, j'ai fait un d'essence pour me déplacer de trois cases. Et du coup, ça valide de 1, ce truc-là. Là. Donc, je me déplace de trois cases. Euh, où est-ce que je peux aller euh, Où est-ce que je peux aller Où est-ce que ça peut être pertinent que j'aille me mettre euh, Sachant que j'ai deux. Sachant que j'ai deux. Et que pour deux, est-ce que je ne peux pas cibler quelqu'un euh, Fais voir. Il faut que je sois éthéré pour le taper, lui. Et lui, le rejeton difforme. Ah non, mais il est trop. Il faut que je le mette, genre là, pour le taper, quoi. Pour arriver à l'avoir, il faudrait que je sois ici ou ici, quoi. Ici, c'est bon. Je peux le taper. Donc si je fais 1, 2, 3, j'arrive là, là je peux pas le taper parce que je croise l'angle ici, ça ne va pas. Et lui pour arriver à le frapper, là je peux pas non plus. Donc ça va être dur de mettre dans une position où je vais pouvoir lui tirer dessus. Euh... Bon, du coup je me déplace comme de 3 cases, euh, je vais les voir pour choper un événement après. J'ai cet événement-là à choper, mais malheureusement ben, ça ne m'intéresse pas des masses. Donc je vais me foutre dans un coin, je vais faire 1, 2, déplacement grâce à ça, et euh, il me reste 2 de vigueur que je n'utilise pas. Attends, remarque, j'étais là. Hein. Je fais 1, 2, 3. Je peux faire 1, 2, 3. Et je peux poser une porte là, par exemple. Oula, c'est toujours ça de prix. Pour 2, je pose une porte. De toute cas, je vais mettre une porte ici. Voilà, ça utilise les données de vigueur que j'ai. Bon, je ne suis pas éthéré. Parce que je ne suis pas dans un angle euh, comme me stipule le masque grotesque. Euh, toi, faut deux divisions formant un coin. Je suis éthéré. Là, je ne suis pas éthéré. Mais bon. J'ai bon espoir que elle, avec son, son Doom Leaper et son bonificateur, elle commence à faire pas mal de dégâts. Euh, mes personnages ont joué. Il est temps de voir si on génère des ennemis. Euh, on va générer, pour Kim Richard, on va voir si elle génère un ennemi. Donc, je génère des ennemis sur 7 ou plus. Là, Je fais un joli 9. Donc, ça génère un ennemi. On va générer. Un Gug. Alors là, ce sont des ennemis de rang 2 qui débarquent. Encore une fois, ça a bien été mélangé. C'est pas comme ça, va être des gros ennemis. 4 d'armure, bon les balaises, lui. Il détruit une case d'action ciblée et après, il peut taper au corps à corps à distance, pardon. Donc, il se génère au plus près dans le point de génération le plus proche de elle. Donc ici, il n'y a pas de du fion c'est forcément là. Et enfin, on va voir si Jesse Moore. Monro arrive à générer un ennemi, enfin, à ne pas générer d'ennemi, et je fais un 9, je génère donc un autre ennemi. Donc là commence y avoir du monde. Et je génère le Yatinen. Il est où lui Il est où est son petit à cette bestiole là, voilà. Qui est à moins niveau 1, qui a point point de vie, donc facilement tuable. Mais du coup, il fait des attaques magiques. Lorsque ce monstre est détruit, l'attaquant gagne un objet. Tant que ce monstre, est euh, seulement s'il est éthéré. Bon, ça, c'est pas très grave, parce que de toute façon, maintenant, grâce à cette arme-là, je peux euh, cibler les, les unités éthérées. Mais là, et donc le plus proche de lui, eh ben, ça va être donc, je présume, ici. Euh... Oui, je vais le mettre là-bas. Je vais le mettre là-bas, il faut que j'essaie de passer au chapitre Je commence à y avoir beaucoup de monde, il y a 4 monstres sur la tuile. Il ben, va je... peut-être falloir que j'essaye de me crapahuter au euh, Plus vite, euh, élément de euh, d'horreur, je fais 1 alors qu'il fallait faire 3, donc c'est parfait. Hop, j'arrive là et je ne monte pas le niveau d'horreur ni le niveau de menace et ne je ne génère pas d'horreur non plus. Les monstres vont jouer dans l'ordre. Dans l'ordre, on va faire jouer lui. Lui, bah c'est bien simple. Hein, il cible L donc il se déplace. Il a 5, il peut porter à 2. Euh, alors, 5, 2, donc il fait 1. 2, 3, 1, 2, là il porte. Sur les 5, il lui reste donc, il fait une attaque avec 3 des blancs sur elle. Oula, là je prends assez cher, je fais 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai 4 de défense physique euh, J'ai bah, ah 5, c'est bon. 1, 2, 3, ici grâce à elle, 4, 5. Donc déjà il ne me touche pas. Parce qu'il a fait que 4. Ça, c'est plutôt bien. Après, j'aurais pas pu déclencher ça, même si j'avais mon essence, parce qu'il faut être au corps à corps. Mais déjà, lui, il ne me fait rien. Donc, on passe au suivant. On passe au rejeton difforme. Le rejeton difforme, il va cibler qui Alors, pour savoir qui il cible, qui il focus, là, je me rappelle plus. <laughs> euh... Pour savoir qui focus l'ennemi. Il prend euh, cible, celui dont il est le plus proche. OK, donc le plus proche. Donc, on évite les obstacles, les murs et tout, et tout. Donc, lui, il a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de toit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de toi Donc, à chaque fois, on va, de toute façon, réévaluer ré les distances. Donc, 1, il arrive là. Il lui reste 3 euh, euh, de, de trucs à faire. De qui est-il plus près maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours toi. Donc, il se déplace encore de 1. Donc, il arrive ici. Est-ce qu'il porte à 2 1, 2, non, toujours pas. Donc, il doit s'approcher du coup de toi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, c'est toi. Tu arrives là. Il te reste 1 de mouvement. Et du coup, tu arrives là. Et tu as fini et... Tu n'as plus d'endurance, de, donc tu restes là. Ah, on peut cibler, se déplacer à travers les murs, euh, les portes fermées, mais du coup, là, ce n'était pas le cas. Ah, si tu aurais pu aller là, hein, fais voir, parce que je partais de là, j'ai oublié cette, cette règle-là, ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, dans tous les cas, c'était sur toi qu'il allait, donc du coup, ça ne changeait pas le problème, il arrive ici. Euh, lorsque son attaque défenseur, ok, bon, ça, on s'en moque. Ensuite, on a. Lui, qu'est-ce qu'il fait lui Lui, il a 5 de vigueur. Alors, euh, déjà, il détruit la case d'action ciblée. Au corps à corps, sinon il tape avec 2 dés. Une attaque normale avec 2 dés. Enfin, attaque physique avec 2 dés noirs, 2 dés blancs. Donc, est-ce qu'il a déjà une, une case d'action autour de lui Non. Donc du coup, il va approcher d'elle. Hop. Est-ce qu'il a une case d'action ciblée autour de lui Non. Il arrive donc du coup on va mettre ici. Est-ce qu'il a une case d'action ciblée euh, Non. Donc il arrive là, donc il était là, ça fait 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une case d'action ciblée à côté de lui Oui, il a celle-là, donc il va détruire celle-là. Et c'est tout pour lui. Et enfin, on a le euh, Yaditien qui est ici, donc il y a 5 de vigueur et lui qui porte à distance. Donc le plus proche de lui, c'est. Putain, il est en mauvaise posture, là il va falloir faire le ménage ou se barrer par là au plus vite possible. Pour essayer de changer de tuile, ouais, ça me paraît judicieux. Sachant que j'ai fermé la porte en plus, un peu quand je fais la porte pour lui, donc faut que je l'ouvre, que je la ferme, et que je passe par là. Mais ça peut, peut se faire en faisant 1, 2, 3, 4, 5, En fermant les portes, j'ai peut-être un petit, petit créneau de tir là, pas beaucoup, mais peut-être euh, lui. Qu'est-ce qu'il fait donc Il a 5 de vigueur, il cible qui alors lui, ça passe pas très loin par contre. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, et c'est bon. 7, 7, il, a, il est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est là. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, donc il va, il va, il va cibler lui. Donc, il a 5 de billeur. 1, est-ce qu'il va faire son attaque Non, 2, est-ce qu'il va faire son attaque Non, 3, 4, 5. De toute façon, il va forcément là, parce que c'est tout ce qu'il veut faire. OK. Tous mes petits bonhommes récupèrent leur endurance, et c'est parti. Alors. Qu'est-ce qu'on fait Je pourrais... Alors, attends. Si je fais une attaque magique, le Gug, il a combien d'attaques magiques Le Gug, il a que 3 défenses magiques. Par contre, il a 2 points de vie. Moi, je pourrais faire une attaque magique. Je peux dépenser des sources pour vous téléporter dans une case adjacente au monde où vous êtes le plus proche. Ah oui c'est qu'à je peux me téléporter, genre là, si je le tue lui, mais bon, faut s'impliquer que je le tue. Il ouais, faut que je me crappe là, j'essaie de me barrer en fait. Hein. Je vais consommer mon essence qui est ici. Il ouais, faut que je gagne de l'essence aussi. Pour dépasser trois cases, je consomme mon essence qui est là. Pour dépasser trois cases, donc je vais faire 1, 2, 3. Et je mets un deuxième jeton ici. Je fais 1 de vigueur. Pour 2, je mets une porte. Il me reste 3. Et je fais 1, 2. Et je reste là. 1, 2. Et je ne peux pas aller plus loin. Je pense que je suis en train de m'enfermer là. 1, 2. Ouais. Parce que vous passer à la tuile suivante. Pour explorer la tuile suivante, je peux le faire. Hein. Passer à la tuile suivante, c'est... Euh... C'est pas sortir, c'est quoi C'est... Euh, mince Explorer. Explorer, c'est deux. Donc je verrai tout tour d'après pour en passer à deux. OK. On est, je vais essayer de les laisser là, eux ceux-là. Je ne pas peut-être pas trop les emmerder. <laughs> J'essaie je de me barrer. Toi, tu es ici. Pour deux, tu ouvres la porte. Donc, deux. Pour un, tu vas là. Un. Il me reste trois. Pour deux, tu enfermes la porte. Il me reste un. Et J'arrive là donc refaisons. J'étais là 2 3 4 5 6. C'est bon, et du coup, tu plus de trucs. Je suis pas considéré comme éthéré. Euh, non, je suis pas considéré comme éthéré non plus. Bon, j'ai deux portes devant moi donc bon, ça me laisse un petit peu de marge. D'autant qu'ils viennent péter les portes, euh, peut-être éventuellement avant d'explorer, euh, faire ce, ce coffre là, je vais voir. C'est la fin euh, des tours de... Le problème c'est que je n'ai plus d'essence, donc là je ne peux plus passer au chapitre suivant pour l'instant. Il faut que je gagne de l'essence. Euh... Les monstres. Euh... Kim Richard, ici, va tenter de générer... Pas de ne pas générer de monstres. Je fais un 5, il fallait faire 7, c'est bon. Hop. Ensuite, euh, Jesse Monroe, Monroe, lui, il fait quoi Il fait 4, là c'est bon, pas de monstres en approche, ça c'est cool. Là, par contre, il faut que je fasse un 1 pour éviter tout... Euh, pour éviter... Bon, je fais un gros 8, hein, donc ça fait... ça, fait ça, ça, ça remonte à 3. qui est ici. Euh, J'avance la menace de 1, et du coup, je tire une carte événement de monstre qui dit que j'augmente de... de 2 la portée des monstres. Donc les monstres ont une portée de 2 en plus par rapport à ce qu'ils ont sur leur fiche. Ok, pas de sont apparus, c'est plutôt cool, mais euh, ça embête un petit peu parce que là, je risque de prendre pas mal cher. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait Il est éthéré, on s'en fout, enfin, ça ne me gêne pas, mais gênant, donc du coup, il va cibler... Euh... Ah bah attends, ici, il... attends, avec les portes fermées, attends, pour savoir de qui il est la plus proche, là, il cible comment, lui Ah oui, il ignore les portes fermées, bah oui, parce que forcément... Donc, du coup, bah, pour cette simple, donc lui il est là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il va cibler L. Donc, lui, il a 5 de, euh, puis 5 de, de vigueur. Donc, il fait 1, 2, 3, 4 et 5. Non, 3, 4, il arrive là. 4, je pense que 5, il va se mettre ici, en fait. Je crois qu'il qu y a une règle qui dit que, de manière générale, si on peut les faire déplacer, il faut mieux les mettre de manière orthogonale aux, aux portes. Ok, ensuite, le rejeton difforme qui est ici. Lui il peut se déplacer et cibler à travers les murs les portes fermées. Comme ça, au moins, ça règle le problème. Donc les murs, là, ils sont, ils sont contre-fous. Ok Par contre, il a une portée de 3 maintenant. Il n'est pas une portée de 2. Et là, c'est plus emmerdant, grâce à cause de la carte. Non, une portée même de 4 même. La portée de la portée 4. Putain, donc. 1, 2, 3, 4... Dès qu'il est ici, là, il peut cibler elle. Donc, il a... les de 2, il fait 1. Et eh ben non, c'est bon. 1, 2, 3, 4... Il peut la cibler. Donc, il fait une attaque de 2. C'est le coup 2 de vigueur. Donc, il lui restera 1 de vigueur. Après, il ne pourra que se déplacer. Il a, ça lui fait 2 des noirs, 3 des blancs. C'est une attaque... Euh, une attaque... Ah, ben, je, ah oui, le défenseur utilise l'attribut le plus faible. Ok, donc là je fais une attaque de défo je me fais défoncer avec tous les résultats qu'il y a là, et du coup je perds un point de vie dans tous les cas. Lorsque je suis touché, je peux résoudre une attaque, mais là j'ai plus d'essence, des... donc ça c'est bon. Et il reste encore un mouvement, il avance. Il faut vraiment que j'arrive à changer de, 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 de salle, là, parce qu'il y, y a vraiment du monde. Alors, ensuite on a le Gug. Le Gug, lui, qu'est-ce qu'il fait Il détruit une ciblée. De euh, toute façon, le Gug, il va, il va viser, elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis par là, euh, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est lui. Donc, il a 5, il fait 1, donc euh, 2, il lui reste 3, pour péter une porte, c'est 4, donc du coup, il ne bouge plus. Et il n'a pas de carte à détruire, et lui, il ne porte pas, parce qu'il y a la porte, ok Et ensuite, lui... Et eh bien lui, il va avancer, il va tenter d'aller ici. De toute façon, donc il, fait, il a 5 de, de vigueur. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Et il lui reste 1 de vigueur. Il ne peut pas défoncer la porte pour l'instant. OK. Nouveau tour de jeu pour tout le monde. Alors là, du coup, il ben, faut que je me crapahute au plus vite de ce traquenard. Mais vraiment, au plus vite. Donc, ce que je vais faire... Euh alors elle, elle va utiliser, pour 1, je vais lui faire utiliser euh, la station de recharge. Je lance un dé et on voit un peu ce qui se passe ici. Je gagne un point de vie. C'est plutôt cool. Donc là, c'était pour 1. Ensuite, pour 3, elle va ouvrir le coffre qui est ici. Donc je vais lui faire piocher... Euh, elle a une arme, elle a une armure, euh, je vais lui faire piocher, je pense, je vais voir un artefact. Je vais voir ça, ce que c'est, ça c'est quoi ça Donc ça peut, euh, non ça ne s'améliore pas, intervertissez vos valeurs d'armure et de volonté. Vos attaques sont considérées comme magiques. C'est déjà le cas, c'est déjà une attaque magique, donc du coup ça ne m'intéresse pas forcément. Je vais en piocher un autre, voir un peu ce que je trouve. Ici, le collier de chair, invoquer un événement horreur. Lorsque vous gagnez un artefact avec gagner un objet, gagnez un de vigueur. Ok, donc là, chaque fait un point pour invoquer un événement d'horreur. Alors, tu peux te dire à ça, quoi ça sert Ça sert juste à dégager un événement d'horreur qui peut nous faire chier. Lequel des deux je vais choisir euh... Je vais prendre celui-là, permet d'intervertir armure et volonté. Intéressez vos valeurs en armure et en volonté. Mais intervertissez toi-même ou sur ta cible Sur ta cible C'est ça oh oui. euh, Franchement, là... Euh... Non, je prends le collier de chair. Je prends le collier de chair. Ça, je le détruis. Donc c'est une arme que je ne peux pas équiper, parce que c'est un artefact, donc je le mets là. Je gagne par contre un terres un d'essence, pour ça. Et ça m'a coûté 3, 2, 3. Donc j'arrive à 2. J'étais à 5, 1, 2, 3. J'arrive à 2. Euh, pour 2, je vais explorer ce qui est ici. Donc explorer. Oh, on prend une première un tuile. Hop, je la mets comme ça. Et je la mets dans ce sens-ci. Voilà. Alors attends. Est-ce qu'il faut que je mette ça ah, Ça, que je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je mette le petit symbole euh, Si, je pense qu'il faut que je mette le petit symbole comme ça. En fait, quand j'arrive, c'est comme ça. Oh putain. Alors là, c'est la, la mélasse, là parce que du coup, les générations de monstres sont ici. Hein. Donc moi qui pensais être un peu plus tranquille par rapport au monstre, ça ne va pas être le cas. Et elle, alors là, il y a des fosses partout. Donc pour arriver ici, il faut que je passe par là. Pour activer le chapitre qui est ici. Mais bon, passer le chapitre suivant, c'est ça. <laughs> Donc ça, ça m'a coûté deux. J'arrive comme ça. Et maintenant, je vais utiliser mon essence qui est ici pour en mettre un troisième ici et faire que je me déplace de trois cases. Euh... Est-ce que si je me mets sur une zone de génération, si elle est obstruée, ça ne génère pas de monstre Au pire, ça va la générer là. Tu vois, générer un monstre, il faut que la case soit... Si je suis dessus, c'est peut-être une stratégie, non Non, je confonds avec un autre jeu avec quel jeu je peux confondre. Générer, 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 page 11. Donc je confonds avec MySQL Mystics. Oui, non, je pense que même si je me mets, même si je me fous dessus. Oui. De toute façon, si je me fous dessus, ça se met sur un. Si la case est occupée, l'exploiteur choisit la case libre la plus proche de cette case. Ah bon, d'accord. Okay. Donc du coup non. Même si je me pose dessus, ça ne change pas grand chose. Donc du coup, je me déplace de trois cases. Il faut que je me eu au plus vite euh, par là. Donc je vais faire un. 2 et 3, là je suis en bord de fossé, en bord de fosse, mais on va voir un peu ce qui se passe. Après, sinon j'aurais pu faire, j'étais là, je peux faire 1. Un... Attends, j'étais euh, là, j'ai exploré. Oui, j'arrive que là, du coup. Attends, j'ai fait quoi Non, je n'ai pas avancé encore. J'ai fait ça pour 1, j'ai fait ça pour 3, et après j'ai fait ça, donc ça fait 6. ok Donc là, il me reste 3 par rapport à ça, et donc là, je peux faire 1, 2, 3. Je me mets là. Je me mets là. Ou alors, je pourrais ce que je... Je, non, je me mets là. Ah non, j'ai plus de... J'ai plus de vigueur, de toute façon. Donc, je peux même pas utiliser mon, mon truc pour y poster parce que ça coûte deux de vigueur et 1 d'essence. Et là, j'ai plus rien du tout. Donc, euh, du coup... Euh, après, ils vont défoncer les portes, cela dit, mais ils vont pas aller bien loin si le gug va rentrer. Bon, allez. Faut que je me fouille, fouille. Courage, fuyons. Euh, John Monroe. Qui est ici. John Monroe, lui, il peut aller voir un peu ce qui se passe au niveau des coffres là-bas. Il peut faire 1, 2, 3. Et pour 3, il peut ouvrir ce coffre-là. Il va faire ça. Il va faire 1, 2, 3. OK. Pour 3, il va ouvrir le coffre qui est ici. Ce qui lui fait assez ah, bien. Ce qui lui fait gagner un des terres. Un, 2, ah, d'essence, j'ai du mal, hein. Et je vais pouvoir piocher une carte. Qu'est-ce que j'ai envie de piocher Est-ce que j'ai envie de piocher une arme ou une tenue peut-être Mes armes sont pas trop mal, c'est un peu, un peu faiblard, mais. Euh, une tenue, si je pioche une tenue, je peux avoir une belle petite tenue. Je vais voir ce que je pioche comme tenue. Je vais regarder ce que je pioche comme tenue ici. Je pioche des bottes. Ah, je peux. Alors, vous pouvez déplacer à travers les cases fausses. Vous pouvez vous déplacer une case fausse à une autre, ne vous coûte pas de vigueur. Les utilisateurs peuvent utiliser. Ah, c'est très très bien ça. Eh, sauf que c'est un habit et euh, je ne peux pas trop le fusionner avec ça en fait là. Ça fait bizarre de fusionner ça ensemble. Je peux fusionner ça ensemble oh, bah, Qu'est-ce qui m'empêche Rien du tout, si ça c'est principal. Bon, pour fusionner, il faut que je passe en mode... Il euh, faut que je passe en mode euh, inventaire. Quoi. Ok, euh, par contre c'est plutôt pas mal de passer à les fosses, c'est-à-dire que là je peux directement aller activer ce chapitre ici après quoi. Enfin, si j'ai assez d'éther, hein, cela dit, hein, c'est pas gagné. Hein. Euh, je vais voir, je vais voir ce que j'ai, je vais tirer une arme pour, le, pour la deuxième carte. Je vais tirer une arme. La faux... Et putain mais j'ai mal mélangé le truc, hein. Je tombe que sur les joueurs de niveau 3. <laughs> la faux épouvantable, alors... Donc en plus, ça augmente ma portée d'ici. Donc, euh, avec cette faux, est-ce que je peux. Oui, par contre, cette faux-là, elle peut effectivement bien être boostée par le générateur de puissance. Ça, ça peut être intéressant. Ça. Euh, attaque de 3 pour que la l'unité à 100. Attaque je euh... Ouais, je vais prendre la faux. Ça va être sympa comme tout, cette petite faux. Donc, je ne vais pas prendre ça, le déplacement spectral. Je ne vais pas prendre les bottes de déplacement. Je vais prendre la la, la saucisse et le marteau, là, que je vais mettre ici. Il faudra que je fasse. Un, une action euh, d'équipement pour après la porter. C'est une arme. Moi, je, en tant que tirant, je peux porter qu'il est tenu. Et ça, ça m'a coûté 3. Mais il me reste un d'essence ici que j'utilise pour faire ça et me dépasser jusqu'à 3 cases avec ça. Donc là, maintenant, je vais faire 1, 2, 3, et me mettre ici. Voilà. Donc je ne suis pas éthéré, mais je suis planqué. Et du coup, là, hop, on a quatre petits jetons ici. On passe donc au chapitre suivant. Alors, les monstres sont générés sur 7, et l'horreur sur 3. Et ce qui coûte, cool, c'est qu'utiliser l'inventaire. Maintenant, je peux utiliser l'inventaire, ça ne me coûte plus que 2. C'est une action. Alors avant, utiliser l'inventaire me coûtait... Euh, me coûtait... 3. Voilà. Et je peux échanger avec quelqu'un pour 1. Voilà, donc ça, bah, je, je voilà, vous laisse lire le texte. Hein. Par contre, voilà, pour passer au chapitre chiant, il faut que j'active ce truc là maintenant. Ok, mais c'est pas mal. Du coup, activer l'inventaire, c'est un coût de moins. On va voir si on génère des monstres. Donc j'ai mon série sur 7. Donc Kim Richard, on va voir si elle génère des monstres. Putain, c'est un... Ouais, non, c'est un œuf. Hein. C'est pas un 6. Hein. Euh, c'est un 9. Hein. Ça, c'est un 6. Donc on génère un monstre. Donc elle va générer un monstre, elle, ici. Et là, ça a picoté sévère. Pas à mon niveau 2, s'il te plaît. Putain. Le chien de Tindolos. Le chien de Tindolos. Le voilà. Donc, il va arriver ici, lui. Il fait des attaques magiques. L'explorateur dépense. Lorsqu'un explorateur dépense ou perd de l'essence, On se téléporte pour venir adjacent à l'explorateur. Ce monstre éthéré. 4 points de vie. Putain, il balaise, lui, hein, le... le Lascar. Hein. Euh, notre ami euh, Jesse Monroe va voir si on génère un monstre ou pas. Là, je fais un 2 par contre, donc là, je génère pas de monstre. Et on va faire une petite phase d'horreur. 9, on fait une belle phase d'horreur, pas de problème par rapport à ça. Donc, on augmente de, la menace de 1 ici et on tire. Donc, ça, ça revient sur 3. Et on tire un nouveau truc qui est ici qui me dit quoi Les attaques des monstres sont des attaques magiques. Bon. Donc, maintenant, tous les monstres sont des attaques magiques. Et les monstres vont jouer dans l'ordre. Alors le polyte volant, il va défoncer la porte qui est ici. Donc sur les quatre... il non. sur les 5 utilise la 4 pour péter la porte. Et ainsi, hop, mettre une porte détruite ici. Voilà, et il reste un de mouvement, et il avance. Il n'y a pas le choix de toute façon, il va me voir. Lui, il cible à travers les non, c'est pas lui. Ce monstre éthéré. Ensuite, le rejeton difforme, il cible qui lui, Le plus près, c'est forcément elle du coup. Parce que lui il peut se déplacer, et s'il a à travers les murs les portes fermées, donc là il y a des murs et des portes fermées, donc lui il peut tracer tout droit lui. Donc il bouge de 4, il fait 1, 2, 3, 4, il arrive là, coucou. Hein, en refaisant son mouvement, lui il était là. Il se déplace, il a 4 de vigueur, et il cible elle. Donc du coup il fait 1, 2, là on a un mur, il se déplace à travers, 3, il a, il, reste, donc, il a claqué 3 de vigueur, il reste 1 de vigueur. Il ne peut pas l'utiliser parce que là, c'est 2. Et il arrive ici. Il a fini son tour. Le Kug. Alors, le Kug. Alors, lui, il est éthéré. Donc, on peut ils peuvent se déplacer avec les, les trucs éthérés. Donc, il va regarder s'il peut détruire la case d'action ciblée. Il n'y a pas de case d'action ciblée. Donc, il se déplace. Il fait 1. Il fait 2. Il fait 3. Euh, il n'y a pas de case d'action ciblée. Il fait 3. Et eh bien, du coup, il fait 4. Attends, il fait 3. Est-ce qu'il peut faire ça Non, est-ce qu'il peut faire ça Oui, il peut faire ça, mais il n'a plus assez de, de trucs. Il est déjà à 3, donc il ne reste plus que 2 de, de vigueur. Donc, 4 et 5, il arrive là. Ensuite, le Yaditienne, il va se cibler, lui, je pense, là-bas. Oui, parce qu'il ignore les. Enfin, il ignore le contre-agir. Il fait 1, 2. Ah, remarque, peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sinon c'est bien elle qui cible. Euh, bah, il va commencer par défoncer la porte. Hop. Et on met une porte, une porte détruite à la place. Ça lui a coûté 4 de vigueur. Il ne reste plus qu'un de vigueur pour avancer ici. Et enfin toi, le chien de tandalos. Alors le chien de tandalos, on va voir un peu comment ça se passe, parce que c'est un peu le merdier. Lui, il a 5 de vigueur et il tape à 2. Donc du coup, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va avancer bah, ici. Et après, il est bien encore à corps de toi. Donc il fait une attaque magique à 3 d noirs. Donc il, bah, il défonce littéralement la défense magique de notre ami Cocotte, euh, qui perd un point de vie. De toute façon, là... ouais je peux même pas utiliser ça, j'ai plus, de... plus de truc. Et il en fait, il en fait une autre. Il a fini dans notre attaque magique, parce que du coup il était là, il a fait 1 pour se déplacer, 2 pour l'attaque, il lui reste deux de vigueur, du coup, deux et 1, 3, il lui reste deux de vigueur. Et là, je me fais bien défoncer ma mère. J'arrive là. Alors elle, elle n'est pas partie dans le bon sens, j'ai envie de dire. Hop, tout le monde récupère sa vigueur, et on fait un nouveau jeu. Elle n'est pas partie dans le bon sens, parce que du coup, j'aurais bien voulu monter, tu vois, pour me barrer vraiment. Mais là, du coup, elle, pour arriver, il faut qu'elle fasse tout le tour. Alors, c'est lui qui descend. Ou alors, ils se retrouvent là. ils se retrouve ici, là. Et ça fait disparaître tout ce qu'il y a là. Mais du coup, tout le monde va suivre. Donc, il euh... faut que j'utilise ça, là. Pour utiliser ça, il faut de la vigueur. Donc, du coup, là, maintenant, il faut que je fasse tout le tour. Il faut que je ferme la porte, là, de toute façon, avec laquelle je pas le choix. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et pour 2, elle ferme la porte. Ça lui laisse un petit peu... De, euh, de répit. Ensuite, toi, donc j'ai vu qu'ici, avec deux, je peux utiliser l'inventaire. Donc pour deux, je vais utiliser l'inventaire. Et pour deux, je vais donc tout me déséquiper, tout m'équiper. Je vais équiper ma faux épouvantable comme principal et lui mettre en plus dessus le générateur de puissance. Donc j'ai moult options avec cette, euh, cette faux épouvantable. C'est plutôt cool. Donc ça, ça m'a coûté deux. Maintenant, il faut que j'arrive ici. Donc, je vais faire. Euh, il y en a peut-être qui se déplacent à les fosses, mais. Euh, faut que je vois, parce que toi, je peux tirer la cible d'une case avec ça là Tu vois, si j'arrive à mettre genre par là ou par là, je peux tirer les ennemis d'une case et les faire tomber dans la fosse, et hop, il meurt. Pour ça, il faut que j'y arrive. Donc, du coup, je vais faire 1, 2. Il me reste 2. Et pour 2, ben, je mets une porte. Voilà, on s'est enfermé ici. Au pire, on va, so on va essayer de sortir par là. Euh, on va voir, pour essayer de sortir par là. On va voir si on génère des ennemis, du coup. Le truc, c'est d'essayer d'être plus rapide que les ennemis. Tu vois, si j'arrive à me barrer, à mettre une tuile ici, vu qu'il faut que ce soit un plateau de 4 par 4 maximum, ça, ça, ça disparaît forcément. Et si après, j'en mets une autre ici, celle-là va forcément disparaître. Et si j'arrive à faire en sorte qu'il soit tout cela, euh, on n'est pas trop mal. Euh, génération d'ennemis pour euh, Kim Richards, elle fait 2 Donc elle génère pas d'ennemis, on descend ça de 1. Jesse Monroe, il fait 6. Eh bien, il faut aller faire 5, on génère un ennemi. Hop, on ramène ça ici. Donc là. On génère le profond. Le profond, on l'a déjà fondé tout à l'heure, le profond, il va arriver ici, lui. On augmente de 1 la menace quand le profond arrive. La menace arrive là. On n'est pas bien. Génération d'horreur. Je fais 10, donc on génère une nouvelle horreur. Donc je fais augmenter la menace de 1. Ça, mais ça ne bouge pas du coup. Enfin, c'est censé revenir à cette valeur-là. Et on tient une nouvelle carte qui est. Chaque explorateur range des artefacts. Ah. Alors les artefacts, c'est quoi les artefacts C'est les, euh, les artefacts. C'est quoi les artefacts ce sont les diamants. Alors, qu'est-ce qu'il y a des diamants euh... Ah, si toi, toi, tu as le figurateur, donc toi, tu ranges ton diamant. Hop là, voilà. Toi, tu n'as pas d'artefact, le fac est ici, donc du coup, tu n'es pas euh... affecté par ça. Les monstres vont jouer. C'est comme C'est c'est le merdier. Alors, lui, lui, il joue quoi Il joue, euh... lui, il joue, il joue, il joue, il joue, sans que... ben, non, sûr. Est-ce que... est-ce que j'ai... Il me faut 3 Il il faut trois de vigueur pour aller ouvrir ça. Euh, ils ont zéro de vigueur tous. Hein. Donc là, je peux faire 1, 2 de vigueur. Ouais, si, j'aurais je peux, je peux, ma vigueur ici, mais alors, poids, poids, poids. Le, 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 le 3 de décence, pardon. Bon, on va commencer par lui. Euh, il est éthéré, il bouge de 5. Il cible qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il cible toi. Donc il bouge de 5. 1, 2, 3, 4, 5, il arrive là. Là, je suis, Je, je m'éloigne vite des adversaires, donc ça me laisse un peu de temps. Si je vois que c'est trop compliqué, je me, barre, je me barre par là. Ça me laisse encore plus de temps, sachant qu'il y a les portes qui vont, qui vont les bloquer. Euh, le retour difforme. Alors lui, le rejour difforme, il cible à travers les murs et il se déplace à travers les murs et les portes fermées. C'est plus embêtant. Il bouge de 4, donc il fait 1, 2. 3, il ne peut pas cibler, il cible à 2. 4, il arrive là. Donc, au prochain tour, il va passer à travers la porte. Le QG, qui est ici, lui, il va, il va ici, le QG. Il cible ça, le, le GUG. Il a 5, il fait 1, 2, 3 et 4. Il n'a pas assez d'énergie. C'est de 4 pour péter une porte, pour péter la porte. Donc du coup, ah attends, le QG, il était ici, je dis. Oui. Oui. On a commencé par détruire la case d'action ciblée. Parce qu'il a encore à corps. Lui, déjà pour 2, il détruit celle-là. Il a joué de faire cette action-là. Pour 2, il détruit celle-là. Ensuite, il bouge de 1. 1. On réveille la situation. Est-ce qu'il lui reste assez pour détruire celle-là La réponse est oui. Donc il détruit celle-là. Et donc lui, il l'aura fait. Il était ici. Il a fait 1, 2, 3, 4. Et il a encore un mouvement. 5, il arrive là. Ou 5, il arrive là. Voilà. Le tienne. Alors lui, il va cibler. Euh, lui, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Donc il va cibler lui qui est là-haut. Euh, donc il a 5 de vigueur. Donc il fait 1, 2, 3, 4 et 5. Il arrive là, sur la porte est fermée. Il ne peut rien en faire. Le chien. Lorsqu'un acteur dépense ou perd de l'essence, ce monstre se téléporte pour devenir adjacent à cet explorateur. Il ne faut pas que j'oublie cet effet. <laughs> Heureusement, je n'ai pas d'essence pour l'instant. Donc lui, il va juste bouger de 5 vers elle. Euh, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc il se met vraiment devant la porte. Et là, c'est la queue le le. Et enfin, le profond qui est ici. Il faut que je change de tuile moi. Le profond qui est ici, euh, bah, il a que 5, donc il va cibler lui. Il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là, là il y a vraiment trop de monde. Là, euh, Là, il y a vraiment trop de monde. Donc ce qu'il faudra que je fasse, je pense, c'est qu'il va falloir que je me crapahute. Je vais peut-être... Euh, je ne sais pas. Parce que là, ils vont détruire la porte et ils vont, ils vont rusher, ça va être une catastrophe. Donc ce que je peux faire, je peux faire 1, 2, 3. 1, 2, 3... Euh, est-ce que je peux explorer, là Si je me mets ici. Explorer sur la tuile, au-dessus de la purgie et positionner sur la... Explorer. Alors, faut déjà explorer. Est-ce qu'il faut que je sois adjacent ou pas si, si je me... -ce que Pour explorer, est-ce être ici, ça suffit à explorer Pour explorer là, il faut vraiment que je sois là. Explorer, page 16 des règles. Euh, 16, explorer. Ceci dit, Faut que je me situe sur une issue inexplorée. Ah oui, d'accord. Donc, non, il faut que je vende, je sois sur l'issue inexplorée. Donc, il faut que je me barre. L'idée, c'est de... Enfin, maintenant, je pense que je vais essayer de rusher au maximum pour vraiment arriver à bannir tout ce qu'il y a sur cette carte-là. Tu vois Donc, je vais faire... 1, 2, 3, 4. Du coup, il me reste 2. Et du coup, je vais explorer... Ici, de ce côté là donc tout ce qui est là c'est banni parce que je suis censé avoir un tableau de deux par deux donc comme j'arrive par ici donc ben, pour avoir un tableau de part deux par deux la nouvelle va aller là celle là elle reste celle là elle est bannie celle là elle est bannie avec tout ce qu'il y a dessus dommage qu'il n'y ait plus de monstre hein, mais bon c'est pas grave euh, on la met du coup euh, dessous et on déplace celle-là par là et je pioche la première du paquet, je pioche celle-là et je la mets comme ça, euh, dans ce sens-là par exemple. Et euh, où est le symbole d'entrée. Le symbole d'entrée est ici. Voilà. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, j'ai exploré. Donc je suis encore là, hein, je suis encore ici. Le truc est là. J'ai une génération de monstres ici et une génération de monstre ici. J'ai deux générations de monstres. Ça va être tant d'axe. Ça va être tant d'axe, mais bon, cela dit... Euh... Je n'ai pas trop choix. Et là, c'est quand je gagne de l'éther. Hein ah non, je dépense ou perds de l'éther, de l'essence. OK, c'est bon. Toi... Euh... Toi, dont ils vont taper la porte, je vais faire 1, <coughs> 2. Je, je vais activer ce coffre-là pour gagner un essence. Alors, hop, euh, je regarde ce que je peux faire. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme objet euh, <coughs> Je vais prendre un consommable. Euh, C'est ça. C'est quoi Qu'est-ce que je trouve Je trouve le Reflecto Riposter. Lorsqu'une unité subit une touche, l'attaquant perd un de santé au lieu du défenseur. Ah c'est très bien ça. C'est valable pour tout. Ça, ça me coûte 4 de vigueur par contre. Lorsqu'une unité subit une touche, l'attaquant perd un de santé au sol défenseur. Ça, c'est plutôt mal, ça permet de tuer les monstres assez rapidement. Attends, moi j'étais là. Hein. Donc j'ai fait 1, euh, 2. Ok. Ensuite je vois le coffre pour 3. Il va me rester 1 après de mouvement. Enfin 1 de trucs. Euh, je vais voir quel est l'autre consommable que je peux choper. Et je chope... Mais je vais pas mélanger. La bombe narcomantique. Ignorer la phase de génération des monstres. Aha. Aha, je pense ça. <laughs> Ignorer la phase de génération des monstres et les phases de génération or et mon sec eux, ils vont rester là. Enfin, euh, par il faut que je l'équipe parce que là je peux pas l'équiper elle est ici. Et j'ai pas assez pour l'équiper. Donc ça va aller là hein. Mais ça veut dire que le tour suivant, même si je génère des monstres Bon, là, les monstres vont générer, vont jouer. Donc, eux, ça va peut-être générer des monstres ici qui vont arriver vers moi. Mais eux, tous ceux qui sont là, si jamais j'arrive à me déplacer assez vite pour aller là, ça, ça disparaît. Par il faut que j'aille très, 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 très vite. Ce qui n'est pas gagné. Du coup, on va faire la phase de génération des monstres, maintenant. Parce que mes deux bonhommes vont jouer. Euh... Kim. 4, elle ne génère pas de monstres. Jesse Monroe. 2, ils génèrent pas de monstre, ça c'est cool. Phase d'horreur. 9, ouais, on fait une phase d'horreur, on fait une truc, génération d'horreur. Non, ça reste là, pardon, c'est ça qu'on avance. Au prochain tour, je vais mettre les, les monstres niveau 3 en jeu. Hein. Alors maintenant, les monstres, ils ont cette capacité en plus, en prioritaire, détruisez la case, la, la case d'action ciblée. Donc, avant de voir ce qu'ils font ici, ils peuvent d'abord faire ce qu'ils euh, enfin, qu ont, euh, qu ont là. Ok, bon, ça me va, c'est pas trop mal comme phase d'horreur. Donc, les monstres, le polyte volant, il est où Il est là derrière, mais lui, il est un peu à la rue. Est-ce qu'il peut péter la porte, lui Là, franchement, quand c'est comme ça, je ne sais pas trop où il faut que je l'amène. Vous l'amenez au contact de la porte. Hein. Je fais 1, 2, 3 et 4. Il n'y a pas de case action à porter, à détruire sur son chemin. Donc, lui, il a fini, puis il est bloqué par la porte. Le rejeton d'iforme. Alors lui, le rejeton d'iforme, il passe à travers les portes. Il est là. Sauf qu'il passe à travers les, oui, les ennemis. Donc lui, enfin oui. Donc il fait 1, 2, 3. Il a une portée de 2, 1, 2. Donc ça, on est possiblement il pourrait aller là, mais il est en contact avec ici. Et donc, il y a cette, cette action qui est là qui lui dit que quand ce que tu es au corps à corps, ça te coûte 2, et tu détruis la cause d'action ciblée. Et c'est le cas. Parce que tu étais là, tu as fait 1, 2, 3. 3. Donc tu as 5 de vigueur, toi, et hop, tu peux détruire celle-là. Ça me va, c'est pas gênant. Euh, ensuite, le Gug. Le Gug qui est ici. Eh bien, le Gug, euh, oui, eh bien, il est bloqué par le chien. Donc ça, c'est plutôt cool, le gug, pareil, il va, il, va, il va faire 1, puis il va attendre derrière, il va attendre derrière le gug. On ne peut pas aller plus loin. Le Yaditen, qui est ici, lui, bah pareil, il fait... Ah non, lui, il fait... Euh, Yaditen, lorsqu'on se détruit, on peut gagner un objet. OK. Donc, il fait 1, 2, et c'est tout. Parce qu'il a 5, et pour péter une porte, c'est 4. Non, c'est... Il a 5, ouais. Il a 5 de, de vigueur. Voilà. Et pour péter une porte, il faut 4. Donc du coup, il ne peut pas la péter. Le chien, lui, il est là. Donc lui, ça y est, lui, il pète la porte. Vu qu'il est au contact de truc. Il pète la porte et il avance de 1. Parce qu'il n'a plus qu'un mouvement. Parce que le chien a 5. Et péter une porte, c'est 4. Péter une porte, c'est 4, hein, on est d'accord, hein, je ne pas de depuis le début moi. Détruire une porte, oui. C'est 4 Et enfin, il reste le profond, ici, lui qui pète cette porte-là. Ok. Et pour 1, il arrive ici. Et ben on s'en est pas trop mal sorti. Du coup je récupère mes 6 de vigueur pour mes, tous mes personnages. Et là, les gars, l'idée, c'est de tracer comme des gros cornichons. Alors, j'ai un peu de temps, mais ce que je vais faire... Ouais, faut, faut juste pas qu'il passe la, la salle. Faut que j'arrive là au plus vite possible. Mais 6, si, c'est compliqué d'arriver là. Euh... de toute façon il faut d'un euh, moment, il faut quand même falloir que j'active ça hein. donc il me faut 3. donc ce que je vais faire ah oui mais ça va me téléporter punaise, ça va me téléporter le chien au contact bon mmh. euh, est-ce qu'il n'y a pas des pièges là non là il n'y a pas de si j'active ça comme il n'y a pas de monstre les pièges j'active ici mais là il y a pas de, si de, de casse piège donc c'est pas très pertinent bon je vais commencer par toi qui va utiliser pour deux tu vas faire une action d'équipement une inventaire je vais faire un inventaire ici et tu vas t'équiper de ça et de ça voilà. Donc, je récupère ça et surtout, je récupère ça qui me dit que j'ignore la phase génération d'horreur et de monstre. Et là, je vais faire ça tout de suite. Je vais l'utiliser maintenant. Voilà. Donc, du coup, pas de phase génération d'horreur et de monstre. Donc, ça m'a ça coûté deux. Ensuite, je vais faire... Je vais tracer, je vais faire... 1... 2... 3... J'ai fini. Quand ça pour un jour -tour, je peux faire ça et ça. Ensuite, elle, avec ses 6 de mouvement. Enfin, de 6 de vigueur. Elle va. Il euh... faut que je gagne de la vigueur, de toute façon. À un moment donné, il faut que je gagne de la vigueur. Hein. Ah, Tiens, pour gagner de la vigueur, j'ai ça, cela dit. J'ai une attaque magique de 3 par 3 là. Avec mon, mon événement, ici. Je peux tirer sur le rejeton difforme. Le rejeton difforme, qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a. Ah, peut-être arriver à me le faire. Il a 4. Ah, il a 4. Est... est ce que je suis adjacent à un mur. Oui, je suis adjacent à un mur. Donc, pour 3, je pourrais tenter de le tuer lui, cela dit. Pour 3, je pourrais tenter de le tuer lui. Je vais faire ça. Pour 3, allez, je le tente. J'utilise cette, cette action là. Ouais. Donc j'ai un des noirs, deux des blancs. Et je suis adjacent à un mur. Ici je suis adjacent à un mur. Donc j'ai le droit d'ajouter un grâce au passif de ce personnage là. Donc j'ai dit un des noirs, deux des blancs. Oui. J'ai eu mes dés. Perdu... Ils sont là-bas. Donc euh, lui il a une armure de combien, Coco l'Indien euh, il a une armure de 4, donc il faut que je fasse un minima 4. Et ben je fais 1, 2, 3, 4, plus un 5, ça passe. Et ça le tue lui, ça tue le rejeton. Donc le rejeton, il est tué. Hop, il n'est pas banni, il est tué. Sur cette prix. Ça, ça fait gagner un essence. Voilà, C'est peut-être pour ça que j'ai fait ça aussi, histoire de gagner de l'essence comme ça. Il en reste 3. Je vais faire 1, 2. 1, 2, et je vais. Euh il me reste un. Ils sont loin. Voir. Euh, est une... un, deux, trois, ouais, lui va rentrer. Il va rentrer encore corps à corps après lui. Mais si j'ai plus clé au trou, c'est d'ailleurs ça. Ah, mais non, parce que, je... non, parce que eux, eux, ils ne bougent pas. Eux, ils ne bougent pas. Je ne fais pas de phase de monstre. Génération de monstre et d'horreur. Ça, c'est cool. Euh, donc, je vais prendre le temps de, de m'arrêter ici. Avec le dernier qui me reste pour faire du 1 et pour essayer de regagner de l'énergie et de la vigueur. Je regagne un petit cœur, ce qui est plutôt cool parce que j'étais tombé à deux petits cœurs. Et ça, ça a été utilisé. Ok. Les deux personnages ont joué phase de monstre. Eh il n'y en a pas grâce à ma bombe euh, narcomantique là. Pas de phase de génération de monstres, pas de phase d'horreur, pas de phase de monstre. Et après il est détruite. C'est que tout ce petit monstre-là. Donc tout le monde récupère 6 de vigueur. Ok. Ça m'a permis quoi cette histoire Ça m'a permis éventuellement d'aller activer ça pour activer le prochain chapitre. Sachant qu'ils ont tous un d'énergie, un d'éther. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Après, j'ai une phase de génération de monstres. alors là, walou, la phase de génération de monstres. Là. Oui, ça c'est comme ça. Euh, et toi 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive là. Ouais, 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 j'arrive là, j'arrive là, j'arrive là, j'arrive là, j'arrive là, là. Pour activer là, il me faut 3 d'essence. Si je fais 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Enfin, non, c'est pas bon. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas bon. Il faut que j'arrive dedans avec de l'énergie. De Mais eux, eux, euh, eux l'idée, c'est vraiment de se débarrasser de ces 5-là d'un coup. Donc, il faut, que je, il faut que je me barre. Il faut que je me barre. Donc, je vais faire 1, 2, 3. 4, 5, 6. Pour toi, voilà. Euh, ok, et bien toi, tu vas suivre le mouvement, tu vas faire... Tu es là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on serre les fesses. Le problème c'est que du coup... Je peux toujours pas utiliser ça. Mais bon, du coup, voilà. Donc phase de génération des monstres maintenant. Euh, notre amie, euh, elle, va générer un truc. Elle fait deux. Pas de génération de monstres. Il arrive là. Et là, allez, 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 il faut un score sympa. Zéro, ça fait 10. Va générer un monstre. Allez, c'est pas grave. Hop, on va générer un monstre. Au pire, si là, le monstre c'est pas bien gênant. On va générer quoi ici On va générer un Migo. Le petit Migo. Il est là. Lorsqu'il est détruit... Bon, il n'est pas bien méchant le Migo, cela dit. Mais il va pouvoir m'embêter. Ok, ensuite, phase d'événement de monstre, euh, d'horreur, pardon. Là, je suis encore à 0. Donc, hop, oh, putain, là, ça craint. Ça craint parce que du coup, là, ça arrive là. Et je passe à des monstres au niveau 3. Et ça, c'est là. Donc, monstres au niveau 3. Donc, je prends les monstres au niveau 3. Donc, les derniers types de monstres. Qui... Non, il y a des monstres au niveau 4. Je prends la défausse. Et je vais ça avec la pioche ici. Voilà, donc j'essaie de les mélanger un peu mieux que ce que j'ai mélangé les cartes. Hein. Mais bon, ça me permet de voir un peu tous les objets qu'il peut y avoir, les différences de puissance d'objets entre les niveaux 1, 2 et 3. Euh, voilà. Hop, allez voilà. Et il euh, et, ben, faut que je tire une carte d'événement. Alors c'est un effet d'arrivée, donc je vous laisse le texte si vous avez envie. Chaque explorateur se téléporte dans la case de génération dont il est le plus proche. Ça m'embête pas des masses parce que toi tu restes là et toi tu arrives là en fait. Voilà. La case étant occupée. De toute façon, euh, je me téléporte sur une case adjacente. Ok. Bon, c'est pas trop gênant. que <laughs> ça m'a amené là. Les monstres jouent. Alors ici on a quoi Le poli machin volant. Donc lui il fait euh, un. Il a 5 de, de mouvement. 1, 2, 3, 4 et 5. Putain, tu vas voir qu'ils vont traverser. Ils vont tous se pointer sur la tuile. Et je vais être comme un con. Le Gug, il a 5. Le Gug. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si je peux traverser des, des unités comme ça. J ai, j ai, du coup, j'ai un gros doute. Est-ce que je peux traverser des unités Sachant qu'elles ne sont pas éthérées, euh, déplacement, déplacement, déplacement des monstres. Euh... C'est des trucs éthérés, du coup je, je, en fait, il est bloqué, lui le, 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 le gug, ça se trouve là. Depuis le début je joue mal avec ce truc-là. Euh... Fais voir, déplacement, se déplacer, se déplacer, se déplacer. Je ne peux pas me déplacer à travers un obstacle, il y a ni un élément bloquant. Donc je pense que j'ai fait de la merde à un moment donné. Élément bloquant, obstacle, c'est une unité. Donc effectivement, on ne peut pas se déplacer à travers une unité. Donc toi qui étais là, tu bah es obligé d'attendre. Tu fais tout le tour. Tu es stupide, tu fais le tour. Et je pense qu'à un moment donné, je les ai fait chevaucher aussi. Ils sont passés en, en, entre, les, entre eux. Il y a peut-être des unités éthérées. Alors, qui est éthéré dans le lot Qui c'est qui est éthéré C'est lui qui est éthéré. Bon, bon, du coup, c'est pas gênant. Donc, ça veut dire que le Gug, en fait, il attend. Il se met là. Il attend tranquillement derrière lui que le, lui se bouge. Le Yaditian, euh, bah, il va pareil. Hein, du coup, il est bloqué derrière le... Ah non, il n'est pas bloqué. Lui, il peut y aller. Ah non J'ai rien dit. Le Gug, il peut faire... Non, il peut pas. Il... Non, c'est bon. Il fait 1, 2, 3, 4, 5. Le Yadikian, il fait pareil. qu'il peut se déplacer de manière... Euh, donc, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 aussi. Là, oui. Le chien, il a 5. Il fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Putain, le chien, il passe. Et le profond, 1, 2, 3, 4. Et là, par contre... Vous êtes, ah non, 5, il arrive là. Bah Bah Mon plan n'était pas si terrible que ça. Hein. Et le Migo, alors le Migo il est au corps à corps. Le Migo euh, en cas d'égalité, on va se dire qui c'est qu'il attaque. Euh, c'est une attaque comment Qui fait une attaque magique, c'est plus de défense magique. Euh, toi tu as trois défenses magiques et toi tu as 4, euh, 5 défenses magiques. Donc je vais faire attaquer Jesse Monroe, le Migo. Donc il a 5. Oui en cas d'égalité c'est moi qui choisis, hein, il me semble. Hein. Donc tant qu'à faire. Euh je ne vais pas me rendre la tâche plus... Ah non Celui qui a la santé la plus basse. Euh... Eh ben donc, bon, bon, c'est du coup, c'est bien elle qui a la santé la plus basse. Elle, elle a... Lui il a 4, elle est là 3. Donc c'est bien elle qui est pris pour cible. Ok, donc ben c'est parti. Donc il fait il, va faire... il a 5, le Migo, il est où Il a 5, donc il va faire deux attaques sur toi au corps à corps. Magique, donc il fait 1, 2, 3, 4. J'ai combien de défense magique J'ai 2, 3 de défense magique, donc je perds un point de vie. Maintenant, je ne veux pas riposter parce que je n'ai pas assez de, 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 de vigueur pour riposter. Utiliser ça. Deuxième. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt perdre un, mon essence qui est ici, plutôt que perdre le point de vie. Hein. Faisons comme ça. Ok, euh, bon. Nouveau tour de jeu. Hmm. On n'est pas à notre avantage là. Hein. Euh, je vais taper sur toi avec ça. Donc c'est deux. J'ai 2 dés comme ça, 2 dés comme ça, et en plus je suis adjacent à un mur, donc je t'envoie une grosse prenne dans ta tête. Une attaque magique, le Migo il a 4 en défense. Magique c'est bon. Par contre, ça ne fait qu'une seule blessure. Donc pour 2, il est blessé une fois. Euh, là Hop, et je recommence pour encore 2 de vigueur, la même chose. Et là je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sachant qu'il a 4 de défense, c'est bon, ça le tue. Hop, donc lui il est mort. Le Migo. Tac, il ne m'embêtera pas. Maintenant je vais la jouer à la là. Hein. Je vais changer de tuiles et puis on poursuit au fur et à mesure et puis elle advienne qu'on pourra. Euh, donc il me reste 2 de vigueur. Alors je gagne un d'éther, un d'essence par rapport à ça. Il me reste deux. Lorsque je tue, je peux dépenser un sens pour me déplacer une case adjacente au monstre dont vous êtes le plus proche. Est-ce que j'ai envie de faire ça Non. C'est vrai que je pourrais dépenser un des pour aller genre ici. Mais l'intérêt est très 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 limité. <laughs> Donc il me reste deux. Euh, bah, pour deux, je vais me déplacer. Je vais faire euh, un et deux. Voilà. Euh, du coup... Notre ami ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, mon, mon petit bonhomme là Parce que là, je vais faire 1. Euh, je vais aller voir ce qu'il y a dans le coffre ici. Ça me fait gagner 1 d'éther. 1, 2. Donc 1, 1, 2, 3. Je vais voir ce qu'il y a là. Euh, je vais chercher une petite tenue pour voir un peu. L'éclateur. Tant que vous êtes à 200 à un mur, augmentez vos attaques de 1. Est-ce que je peux le combiner Oui, je peux tout à fait le combiner avec mon. Euh, masque grotesque, mon masque grotesque et ça implique que je me déséquipe de ça en bon, tant que chasseur un mur j'ai plus 1 en attaque je suis pas chasseur sur un mur, je vais voir ce que je peux trouver comme autre tenue les tant que vous êtes chasseur à une case génération il y a dire vos ah ça c'est très bien ça tiens bah, je vais prendre ça <laughs> je vais détruire ça et je vais prendre ça et donc je pourrais quand même le combiner avec mon, mon masque après, voilà. Donc je vais me déséquiper du masque et m'équiper de ça. Tant que je suis adjacent à une cas génération, ignorez vos jets de génération. Comme je suis adjacent ici, je vais ignorer mon jet de génération avec, avec lui. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il me reste euh, ben, il me reste donc attends, le coffre, il a été fait. Voilà, et je me remets ici. Pour un, il me reste un de vigueur, je garde ce 1 de vigueur. Voilà. Donc jet de génération de, de monstre. donc il n'y a qu elle qui le fait. Deux. Lui, il ne le fait pas parce que... Là. Et, euh, et en fait, j'ai fait le con parce que j'aurais mieux fait d'aller explorer, en fait. Pour me, 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 me séparer de ces deux-là. C'était toujours deux qui ne seraient pas venus me faire chier. Parce que c'est trop tard pour faire marche arrière. Euh, J'étais là. J'ai fait un. Un, deux, trois. Il me reste, non, je reste trois fois marche arrière. Allez, tant pis. Et phase 2 d'horreur, pardon, 8. Bon, là, on génère bien un événement d'horreur. Pouc Qui est le suivant. En arrivée, détruisez chaque case action adjacente à un explorateur. Euh, eh bien, il n'y en a pas. Ça tombe bien, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc ça, c'est pas une case action, c'est trop facile sinon. <laughs> Les monstres vont jouer. Alors, le poliote Volant, qui a 5 de vigueur. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Le Gug, qui a 5 de vigueur, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Le Yaditienne, qui a également 5 de vigueur. Alors, lui, le Gug, je fais marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Il est là. 1. J'ai oublié de faire ces actions-là, lui, par contre, tu vois Détruisez la case action ciblée. Donc pour deux de vigueur, il détruit celle-là. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive là. Lui, hop, lui il passe au passage et il détruit tout ce qu'il trouve. Euh, j'ai oublié de faire un truc quand j'ai tué le migo, j'ai l'impression. Oui. Résolvez invocation d'un événement d'exploration. J'ai oublié de faire ça quand j'ai tué le migo. Donc le migo, il a été tué ça m'a fait ça. Réduisent de 1 les attaques des monstres. Ça, c'est très bien. J'ai bien fait de le faire. Euh, donc, du coup, lui, euh, lui il a 5, il n'a rien de particulier. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va arriver ici. Je, je, je voudrais que maintenant, au moment de la partie, je ne calcule plus trop les, euh, les mouvements des monstres, hein, les, les, les chemins. Hein. Je fais un peu euh, au visuel. Euh, toi qui as 5, le chien, là, il est féroce ce chien. là euh, 5, donc il fait peut-être que euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a peut-être calculé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, il passe par là. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, le profond qui est ici, euh, 5, peut pareil, donc plus je pense qu'il trace tout droit lui, par contre, parce que c'est plus long par là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, voilà. Donc il fait 5 en avant. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Bon, 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 bon. Eh ben, du coup, on récupère tous, tous notre vigueur. Alors, est-ce que je peux aller activer ça Si jamais je vais là-dedans, je m'entends dans une merde noire. Je pense que j'ai plutôt essayé d'aller voir ce qu'il y a par là-bas. Avec elle, elle avait exploré pour deux. Donc, cette tuile-là, elle la dégage. Je vais arriver à trouver une tuile qui m'est favorable. Je prends la première que je mets là en sens, ici, d'orientation. Voilà. Où est la case chapitre ici Elle est là, putain. Ok. 2, il y a là-bas. Mais 2, 3, 4, 5, 5. 5, 6, 5, ici. Et il reste un de vigueur, donc je ne peux rien faire avec le 1 de vigueur qui me reste. Donc du coup, je vais plutôt me mettre là, pour qu'il me reste deux de vigueur. Comme ça, après, je pourrais éventuellement faire mon modificateur ici. Pour, euh, voilà. Toi du coup qui est ici. 1 2 3 4 5 6. Allez, entre deux <laughs> Entre les tonneaux, on y va. <laughs> Allez, c'est bon, tu as fait tes 6. On n'est pas trop, trop. Si on est mal, on est mal, on est mal, on est mal. Génération des monstres. Euh, notre ami, elle, va voir si... Euh, donc le, la, le, le marqueur est sur 6. Donc je fais un 6, donc je génère un monstre. On remet une marque ici, donc je génère un monstre. Qu'est-ce que je génère Je génère, oh putain, une espèce de, de serpent de la mort, là. Il est ouf. Là. Non, c'est pas, pas un Shogot. c'est un Notidic. Not le Notidic, il est où not le Notidic Je n'arrive pas à le trouver. Le voilà, Notidic. Qu'est-ce que c'est ce monstre là 4, 3, 1 point de vie, ça va. Et il a fait ce qu'il fait. Non. Chaque autre monstre dans celui-ci augmente son mur et sa montée de 2. Lorsqu'il est détruit, il est généré dans sa case. Oh putain. Donc, par contre, il va se générer au plus proche. Et c'est là que le plus proche est ici. De L. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se générer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 monstres. Hein. Ensuite, toi était pas adjacent à une zone de génération donc malheureusement ma botte ne me sert pas donc là je suis obligé de générer et là je fais un 5 ça c'est bon c'est pas généré je fais une petite phase d'horreur maintenant 7 ben, on va générer un truc d'horreur en plus hein. voilà on monte de 1 on fait une nouvelle case alors placer deux cartes objets détruites sur le dessus des pioches objets correspondantes ok euh, donc, euh... Ben, je pense celle-là est détruite. C'est un. Là, je le remets ici. Et ça, c'est détruit. Je le remets avec les objets détruits là-bas. Voilà, avec les consommables. Ok. Ouais, je... ça, me... Ouais, ça me remet des cartes de merde dans son ce ici. C'est pas très grave. Euh... Ok, les monstres. Pff, putain, j'en ai marre de les monstres. Hein. Je cache pas que ça commence à être pénible. Lui, 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 il bouge de 5, donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, il arrive dans la porte. Ensuite, le gug, le gug, il est adjacent ici, donc le gug, il va prendre son temps, il va péter ça pour commencer. Donc il fait 2, ensuite, faut il faut qu'il avance, il ne peut pas avancer là, il ne peut pas avancer là, 2, 3, il est adjacent à ça, donc il va la péter. c'est Sa capacité spéciale, hein, au donc il était là. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc lui il rase le truc. Le Yatinden qui est ici, lui il a rien de particulier. Euh, il bouge la 5 de vigueur, donc il fait 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Euh, oui, 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 oui. Après, je descends ici. Peut-être je descends ici, puis j'essaie de les perdre <laughs> dans les labyrinthes. Euh, le profond, le profond, le profond, le profond qui est ici, lui conduit bah, il est dans le couloir, il n'y a pas le choix, donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, il arrive là, et enfin, et le chien, je ne bouger le chien, moi, s'il a bougé le chien, non, il n'a pas bougé le chien, 5, chien, 1, 2, 3, 4, ah oui, mais attends, on ne bouge pas, il bouge avant le profond, le chien, le profond, il revient là, donc c'est le chien qui était là, là, c'est le chien qui passe et le profond il va se retrouver bloqué. Le profond va se retrouver bloqué parce que j'ai plus de cases adjacentes ici et ici. Donc le profond il fait 1, 2, 3, 4 et il attend là, gentiment. Voilà. Et eux deux il bloque le chemin. Et lui là, bah lui, euh, lui il n'a rien de particulier. Euh, il a juste 5 donc il va descendre vers moi. Donc il fait euh, 1, 2, 3 et 4. Il se met là. <laughs> Il y a du monde derrière la porte, hein, chérie. Attention. Hein. Euh, putain, comment je peux faire, là oh, Si, peut-être peut qu'en tirant dans les, dans, les, dans les panneaux, là après. Là. Allez. On reprend, euh, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, oui, mais non. Euh, parce que... La tuile est là, mais une fois que je suis là, je suis dans une mer de noir là, moi. Ouais, faut que je me barre en fait, faut que je descende, hein. j'ai pas le choix. Hein. Faut, faut, faut que je trace là, parce que pour activer le chapitre ici, si, dès que je suis dedans, faut qu'il y en ait un qui active le chapitre. C'est trois décences. Lui, il a que deux décences. Elle, elle a un. Donc même si elle l'aide, il faut être adjacent. Ah, si, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 avec elle. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il peut tenter ça comme ça. Et après, on se barre. Allez, on va tenter ça comme ça. Je ne sais pas si c'est très pertinent. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Il me restera 1. Et lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il me reste 1 de vigueur. Tout ça fait que lui va ignorer sa phase de génération ici parce qu'il est côte à côte d'un truc. Et au tour d'après, elle qui n'a plus qu'un de d'essence va pouvoir l'aider lui à activer ce truc-là. Génération des monstres. Toi, 5. On ne génère pas de monstres. C'est très bien. Ça tombe là. Toi, tu es adjacent à une génération de monstres. Grâce à tes bottes, à ton wader Spectro, tu ne génères pas de monstres. Phase d'horreur. 7! Allez, on continue! Hop là! Hop! Euh, les mots sont ça maintenant, L explorateur ciblé range un objet. Oh, c'est pas du légame, mais ils font ranger des objets. Donc là maintenant, c'est à eux de jouer. Alors là, ils vont tabasser de la porte. Hein. Donc lui, il détruit la porte. Donc on commence par le gros là. Il détruit la porte. Bam! Gros coup dans la porte pour 4. Il lui reste un de mouvement et il rentre. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils vont... Enfin, ils vont, ils vont se bloquer au bout d'un moment. Le gug, le gug, il attend là-bas, lui, le gug, il, gug, il est toujours là-bas en train de détruire les trucs, donc il va faire ben, euh, euh, 1, 2, 3, 4, 5, ou alors 1, je vais pas passer par là, lui, je vais le retarde au maximum, 1, 2, 3, il détruit ça, 4, euh, 1, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 4, 5, voilà, le prochain tour, comme ça, il va détruire cette case-là, je le retarde au maximum. Euh, après le Gug, on a le Yadi Prenne qui est ici, qui attend lui, descend pour passer. Alors, est-ce qu'il a un petit chemin pour passer Lui, il fait 1, 2, 3, il est rentré. Euh, lui, il porte à 3. Hein. Il porte à 3, 3, 4, 5. Et il ne peut pas aller plus loin. OK. Le chien. Le chien, il m'emmerde au plus, le chien, lui. Le chien, c'est du corps à corps, cela dit. Le chien, il fait 1. 2 3 euh, mais 4 5 il n'a pas le choix. Peut-être que j'arrive à taper dans ce tonneau là. Le profond 1 2 3 4. Tiens, je te laisse là. Tiens, voilà. Et enfin, le note machin là il fait 1 2 3. Ok. J'ignore complètement si je joue bien ou pas. Parce que, je, je, en fait, c'est en train de me fatiguer. <laughs> c'est en train de me fatiguer, cette gestion des monstres. Euh, nouveau tour de jeu. Ok. Donc, alors là, j'ai dit que. Toi, tu allais. Ah oh, putain, bah oui, mais attends. C'est quoi, c'est le chien, là Son téléport pour venir adjacent ah, à cet explorateur. Lorsqu'un télé... Lorsqu explorateur dépense ou perd de l'essence. Euh, oui, bah, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, toi, tu vas perdre de l'essence, enfin, toi, tu vas du coup perdre de l'essence pour veiller ça. Donc, ça fait 1, 2 et 3 de vigueur avec un soutien de ta part. Et du coup, on active le chapitre qui est ici. Ça active le chapitre, ça fait ça. Mais du coup, toi, euh, le chien, il, est là, il se téléporte ici. Voilà. Et par contre, j'active le chapitre. Je place le jeton de sortie et je rends et chaque explorateur rend ses objets. Réduisez de deux les jeux d'attaque d'explorateur. Oh, Il n'y a que de souterraine de deux. Oh, putain, je suis là, vache! Donc c'est 6 et 4. Hop, 6 et 4. Placer le jeton de sortie, euh, mais je mets où le jeton de sortie Attends. et Je pense que j'ai mal positionné la, la truc là. Ah non, 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 c'est très bien. Le jeton de sortie, c'est ça. Je vais le mettre là. Parce que le jeton de sortie, jeton de sortie, c'est pas... Je... Je l'ai perdu. Sortir, page 17. Euh... Sortir... Sortir... Non, c'est pas ça. Placer le jeton de sortie. Je l'avais vu où, ça, quelque part, ça Ah, page 21. Page 21. Sur une issue inexplorée. Et là, c'est plutôt bon, parce que... Parce que... Non, c'est pas bon du tout. Ça coûte 2 pour sortir. Putain, il n'a plus assez pour sortir, lui là. Oh, faut voir il falloir qu'il serre les miches. Hein. Ouais, puis, pour sortir, même si, même si, même si, même si il va là, il fait un. Hein, non, on est bloqué là. Parce que, voilà, placer le champ de sortie, chaque explorateur rend, rend ses objets. Comment Ok. Voilà. <laughs> Ça s'est rangé, ça s'est rangé. Il faut que j'arrive à sortir là. Il faut que je serre les miches, mais d'une force XXL, quoi. Oh, comment tu veux que je fasse Mais ils vont se faire défoncer. L'avantage, c'est quand je vais sortir, tout va être banni. Tout ce qu'elle a va être banni. Il faut que j'arrive à sortir. Je vois pas comment je peux sortir, en fait. Euh, comment je peux sortir Avec lui, il sent qu'il n'a plus que 3 de... de... Bah lui, il va juste crever, en fait. Elle, elle va sortir. Elle, elle va faire un... Parce que de toute façon, lui, son tour est fini. Même s'il fait 3, là, c'est des fausses partout. Il peut aller euh, ici, faire 1, 2 et 3. Il peut aller là. Mais là, il va se faire défoncer par tous les monstres. Il va être bloqué. Putain, je vois pas comment. Alors lui, mis à, mis à part se faire défoncer, je vois pas ce qui peut lui arriver de pire, là. Bon, ben, Jace Monroe, là, euh, là tu es bloqué. Je fais 1. Okay, je fais un et je vais faire une attaque ici. Je vais, je vais faire une attaque ici parce qu'il me reste deux. Donc là, je peux cibler. Donc je suis passé de là là, c'est bon. Je peux cibler ce tonneau là, euh, portée de 3. J'ai plus d'armes hein. donc portée de 3, ça me coûte 2. Il me reste deux pile poil et je tape sur ce tonneau là. Tonneau là, paf. Il faut que je fasse par contre au moins une touche avec mon des blanc. Ok, sauvé. Je fais une touche donc ça fait exploser le tonneau. Le tonneau il pète. Euh, ça fait 3 dés noirs contre chaque unité adjacente au baril. Donc, je vais commencer par lui, tiens, le, notre machin là. Parce que chaque monstre adjacent à lui augmente de 2 son armure, sa volonté. Donc, du coup, si j'arrive à le tuer avant. Oh, putain, je viens dans sa case. Euh, je fais 1, 2, 3, 4. Il a 4 d'armure, c'est bon. Donc, lui, il est mort. Lui, il est mort. Par contre, je génère dans sa case. Je vais générer dans sa case, qu'est-ce que je vais générer Je vais générer le biaki. L Espèce d'oie qui pue. Voilà. Ensuite, il y a, a Ditten. Ditten, il a euh, il a 2 en physique et je fais 7. Euh, Donc c'est bon, ça le tue. C'est un peu son champ du signe à lui. Hein. Et enfin, j'ai le profond qui est là. Euh, le Profond qui est là. Yaditen, quand je le tue, qu'est-ce qui se passe quand on tue Yaditen, euh, L'attaquant résout gagne un objet. Très bien. Donc j'ai gagné un objet avec toi. Donc j'ai gagné une, une arme. Allez, je prends une arme. Euh, L'engrenage augmenté de 3. Ah, c'est pas mal ça. Et l'autre arme, c'est quoi Le fouet. Donc je vais prendre ça. Le fouet, pas, je vais prendre ça. Ça va me permettre de booster. Ah, merde, je ne peux pas booster ma faux flûte. J'ai cru que je pouvais booster ma foi avec. Mais bah, tant pis. Bon, bah, je le prends quand même, mais je ne peux pas, 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 peux pas faire grand-chose. Et donc, le profond, le profond, lui, il a 3 d'armure physique. Il faut que je fasse au moins 3. Je fais 4. Il meurt. C'est vraiment histoire de... histoire. En fait, je... Ouais. Je... ouais. ouais. <laughs> Peut-être qu'il va survivre encore un tour. Hein. Je sais pas. On verra bien. Hein. Et donc, toi, bah, tu fais... Euh... Toi, tu te barres, hein, parce que tu n'as plus, plus de trucs. Ah, si, le Biaki, là. Attends. Il se passe quoi Le Biaki, il y a un truc. Le Biaki, quand un monstre est détruit, ce monstre se téléporte sur la case où le monstre s'est mis à se trouver. Donc là, il était là, et lui, il arrive là. Voilà, comme ça. Euh... Toi, si je tire ici... Non, parce que ça va bloquer la vue, très sûrement. Oui, tu bloques la vue, toi. Donc, du coup, pour aller tirer là, je vais faire euh, un... 2, 3, 4, je me barre. Voilà, hop là, elle quitte le, elle quitte le navire. <laughs> bonne chance, Jace, bonne chance. Voilà, fin du tour euh, des personnages. Lui, est-ce qu'il va générer un, un ennemi Non, parce qu'il est... Ah bah ben si, parce que du coup, il n'a plus sa botte. Donc, il va voir s'il génère un ennemi. 1, il ne génère pas d'ennemi. Est-ce qu'il génère... Ah, ah merde, dommage. Range un objet. J'ai déjà tout rangé. Euh... Euh, Est-ce que je fais de l'horreur L'horreur 1, je ne sais pas d'horreur, c'est plutôt cool. Par contre, les monstres m'attaquent. Alors, on va commencer par le machin volant. Machin volant qui porte à 2. Euh, il faut qu'il soit là. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, et bien 5. On ne peut pas faire mieux que ça. Euh, ensuite, on a le, euh, le Gug. Il continue à détruire les trucs dans son coin, lui. Il fait 1. Euh, donc, euh, donc ça coûte 2, ça, hein, pour le Gug. Ça, ça coûte 2. Il lui reste 3. 1, 2, 3. Voilà. Il va finir par avancer. Le chien, qui est au corps à corps, le chien, lui, va se faire un malin plaisir de te faire des il est terré en plus et du coup je vois, j'ai plus aucun équipement pour taper mon satteré donc du coup il me fait trois attaques putain la vache donc là il est au corps à corps il me fait deux attaques comme ça oui bah ben là j'ai que attaques magique j'ai que deux en défense magique donc je perds un point de vie ah merde c'est con il fait deux c'est égalité je perds quand même un point donc je perds deux points de vie et le biaki le biaki qui a une qui a quatre mais du coup qui n'a que deux il y a 5 d'armure à bas ce qui n'a que 2. Donc je vais faire 1. 2. Euh, bah Attends, s'il si peut se passer par là. Oh, il va me bloquer. 1, 2. Il, il va me bloquer l'enfoiré, quoi et eh oui, il me bloque quoi. 1, 2, 3, 4. Le bien, qui arrive là. Du coup, moi, bah, je... Attends, qui c'est qui est éthéré là Lequel est éthéré oui, le, 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 le polype volant est éthéré. Donc, je peux, je peux passer à travers du, le polype volant. Et le chien aussi est aussi éthéré. Donc, je peux aussi passer à travers. Hein, on est d'accord. Le monstre est éthéré, même s'il si est, il est éthéré, je peux quand même passer à travers. Page 14. Je ne veux pas les taper, mais je peux passer à travers. Ça m'arrangerait, je t'avouerai. Une unité peut se passer à travers une unité éthérée parfait Ah, les unités éthérées peuvent se déplacer à travers toutes les unités, alors je vais peut-être merder aussi. Ok, euh, du coup, on récupère la vigueur, donc toi, je te remets à 6, même s'il n'y a pas forcément besoin. Et toi, par contre, toi, je te ramène ici. Et donc, je vais faire, donc, toi, vu comme tu es éthéré, je fais 1, 2, 3, voilà, là, ça, c'est bon. Euh, 2, 3, il me reste 2, 4, 5, et je sors ici. Putain Ok. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est banni. Hop là Eux, on ne les verra plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. En quoi c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas, mais c'est une bonne nouvelle. Tout ça, c'est banni. Bon, Disons, c'est chaud patate. Hein. Hop, allez, on regarde maintenant ce qu'il y a ici. Et on arrive au dénouement. Donc, quand on est au dénouement, on fait ça. Et on nous dit de débuter le dénouement. Alors, débuter le dénouement, ben, euh, là, je ne sais pas trop ce qui se passe quand on débute le dénouement. Je pense qu'il faut que je mette en place la tuile. Dénouement, euh, débuter le dénouement, page 21. Tout est page 21 dans ce livre de règles. Euh, Mettez en jeu la tuile d'énouement spécifique au scénario. OK Donc là, la tuile d'énouement spécifique au scénario, on l'a mis de, de côté tout à l'heure. C'est celle qui a le dos avec le petit flocon de neige. C'est ça. Voilà. Waouh Alors, euh, OK, il y a des trucs, là. Hein. Euh, ça, on arrive par où On arrive par là, je pense. Hein. C'est là. Je vais dans ce côté-là, tiens. Placez les joueurs dans les cases libres adjacentes aux ustations de jetons entrées ou sur les ustations sur les jetons entrées. Donc là, entrée-entrée. Donc je peux mettre adjacent ici, adjacent ici. OK. Placez la carte dénouement de scénario à côté de la tuile dénouement et réalisez à sa mise en place. Placez la carte dénouement de scénario à côté de la tuile dénouement. Donc, euh... Ah bah tiens, c'est là. Alors qu'est-ce qu'on dit Créer une réserve de 15 jetons détruits. Ça c'est bon. 1 2 3 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Là, j'ai 15 jetons détruits. Une case rituelle est une unité qui peut être uniquement attaquée. Une case rituelle est une unité qui peut uniquement être attaquée, une case rituelle, OK Une case rituelle possède 5, 5 d'armure, 6 de santé mentale et autant de cœurs que non explorateurs donc 2. Victoire, toutes les cases rituelles sont détruites. Défaite, il n'y a plus de jetons détruits dans la réserve. À chaque, à chaque phase d'horreur, retirez de la réserve autant de jetons détruits que la moitié des cases rituelles restantes, arrondies au supérieur. Toute cases rituelle détruite est considéré comme une case franchissable. Les cases amas de corps sont considérées comme des décombres. Alors là, il faut regarder un petit peu. Les cases rituelles, c'est une espèce de cases jaunes. Je les vois pas. Je dois être très con, mais je les vois pas. Ah non! Ok, les rituels, c'est ça. Ok, putain la vache. 1, 2, j'ai 4 bonhommes ici qui font un rituel là. Ici, 1, 2, 3, 4. Ok, donc ces 4-là. Ok, ils ont 5 d'armure et 6 de santé mentale. Autant, ils ont 2 points de vie. Euh, au début de phase d'or, retirer de la réserve que j'ai créé, autant de jetons détruits que la moitié des casseurs restantes. Donc là, s'il reste 4, 1, 2, 3, 4. Non, j'aurais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en un truc de 3. Toute case détruite est considérée comme ça, franchissable, d'accord, ok. Toute case... Le cas amas de corps est considéré comme une case des à Amas de corps, c'est ça. Ok. Donc là, il y a une case de génération de monstres ici, et génération de monstres ici. Sachant qu'il y a un établi qui est ici, donc il faudra que je fasse quand même des actions pour me rééquiper. Ça pourrait être très très, très intéressant. Donc à ce moment-là, je vais plutôt faire ça dans ce sens-là. Euh, ok. Euh, ok, ok, ok. Donc, débuter le dénouement, voilà. Euh, débuter le dénouement. Ok, donc je débute le dénouement. Euh, voilà, comme ça, donc, comme ça. Je sais pas trop dans quel sens ça se regarde. Et je mets ça comme ça. Ok. Là, on doit être, on doit être comme ça. Donc, normalement, on doit être comme ça. Attends, ça c'est le dénouement, la mise en place, euh, dénouement. Ça veut dire débuter le dénouement. Ok, neuf. Donc, je débute le dénouement. Le dénouement, c'est ça. Donc, comme ça peut-être. Voilà, comme ça. Donc, on est 6 et 4. Donc, il y a encore des, des horreurs et des monstres qui peuvent, qui peuvent se pointer. Hein. Ok, donc le truc, c'est que je n'ai plus d'équipement. Donc, du coup, il faut que je rééquipe mon petit, mon petit attirail. Donc, toi, tu vas faire 1, 2, 3. Tu étais là. 1, 2, 3. Tu vas utiliser la, la, la tablique qui est ici pour te rééquiper. Et donc, je vais aller chercher. Alors, attends, bouge pas. Qu'est-ce que j'ai avec lui qui pourrait être intéressant J'ai la faucille. Euh, ok, avec le truc de puissance, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me faudrait Là, il me faudrait. Euh, ça, c'est très bien. Euh, ça, ça ne me sert pas grand-chose. Ça, le masque grotesque, je vais peut-être le rééquiper. Je verrai après. Je déjà chercher des équipements. Euh, J'ai une, une grosse faux, donc ça marche bien. Je vais aller chercher du consommable. Tiens, allez, hop, on prendre un consommable. Ah, bah tiens, une baume, encore une bombe narcomantique. C'est très bien ça, je vais prendre ça. Même, même pas, je vais voir le reste, je pense à tout de suite. Et je peux m'équiper de tout ça. Je vais mis au bon endroit, la bombe darc tout à l'heure. Il y en a plusieurs Ah oui, il y en a plusieurs. Euh, non. Je ne l'ai pas remis au bon endroit, la bombe... Qu'est-ce que j'ai foutu Ah Mais il y a une case qui m'aide de remettre sur le dessus des cartes détruites. Ah, ben ça, ça doit être ça, à tous les coups. Donc, euh, donc, je récupère ma, ma bombe narcomantique, je m'équipe de nouveau avec ma faux, mon générateur de puissance sur la faux qui est ici, euh, mon masque grotesque euh, qui me rapporte 2 de santé mentale, ça pour diminuer les résistances, la bombe pour éviter les phases de régénération. Et euh, ça, ben, ça, je parais d'en faire ça. Ça, je ne peux rien en faire de celui-là. Donc, je ne le mets pas. Par contre, je peux mettre. Téléporter une case de distance. Ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre ça. Hop là. Voilà. Voilà pour son équipement à lui. Masque grotesque, combiné avec le Wader Spectro. Et la faux, combinée avec ça. Donc, il y a moyen de faire du gros dégât. Surtout si je me mets là. Si je me mets au milieu, là, je suis adjacent ici et ici. Donc, avec ça, je peux faire trois. Contre tous les, contre tout, tout ce qui est adjacent. Donc, ça c'est bien. Donc, ça m'a coûté de venir ici. Euh, bah, ça m'a coûté mes 6 d'action en fait. Hein, parce que j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Euh, ensuite, bah, toi, du coup, toi, la, la, la dame là. La dame tu a fait une action d'inventaire pour deux Et on va se rééquiper. Donc, on va reprendre ça, ça et ça. Voilà. Cette armure là ne m'intéresse pas plus que ça. hein. Si on remarque, je vais prendre ça à la place. Parce que tant que je suis une arme j'ajoute plus 1 à, à mes jets de dégâts. J'ai moins d'armure, mais plus, plus de force offensive. Donc ça c'était deux Et du coup, je vais faire 1, 2, 3 et 4. J'arrive là. Je suis à 0. Ah oui, j'ai oublié de péter. Bah ben oui. Je pète la bombe d'arc romantique. Du coup, avec lui. Hein, quand même. Voilà. Du coup, je n'ai pas de phase d'événement, pas de phase de monstre, pas de phase d'horreur. Du coup, hop. Comme j'ai pas de phase d'horreur, au début de la phase de chaque phase d'horreur, retirer des réserves, il n'y a pas de phase d'horreur ici, ça me dit que j'ignore les, les phases génération horreur et monstre. Donc je pète pas de trucs ici. Là on est tranquille. Allez, 6 et 6. On y retourne au corps à corps. Toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu te mets là. Toi, tu vas te mettre là. Entre deux tout du sacrifice. Ils ont euh, 5 d'armure physique, 6 d'armure psychique. Donc ça m'a coûté 3 pour venir jusqu'ici. Et avec ma faux, là, je peux faire une attaque contre chaque unité à laquelle je suis adjacent. Donc du coup, je lance 3 des noirs. Contre chaque unité à laquelle je suis adjacente. Donc 3 des noirs contre lui, 3 des noirs contre lui. Donc je vais par lui. Donc, c'est du physique. Il euh, faut que je fasse plus de 5. Ben, je fais 4. Donc, ça ne passe pas. Voilà, super. Et ben, je fais pareil de l'autre côté. Là, je fais 5. Ça passe. Donc, eux, ils prennent une blessure là-bas. Eux prennent une blessure. Ok. Ensuite, un autre ami. Euh, un autre ami, elle. Elle. Je vais faire 1, 2, je vais mettre ici pour 2. Pour 2, je vais attaquer avec ça. Donc, j'ai droit à ça plus ça. Je ne suis pas adjacent à un mur, donc je n'ai pas droit à son passif de plus en dégâts. Par contre, j'ai l'imperméable qui me dit que euh, tant qu'une de vos mains n'est pas équipée, augmentez un vos attaques de 1. Donc, j'augmente déjà l'attaque de 1. Là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais 7, c'est vraiment suffisant. Ça le détruit lui. 7. Donc lui, il est mort, celui qui était là. Parce que je me suis mis euh, là. Lui, il est mort. Donc je vais mettre une case détruite dessus. Voilà, hop, pour dire que lui, c'est fait, c'est mort. Du coup, quand je tue une unité, parce que du coup, un rituel est une unité. Quand je tue une unité, lorsque tu es, donc je gagne un essence. Voilà, bouc. Lorsque vous tuez, dépensez un essence, donc l'essence que je viens de gagner. Pour vous téléporter dans une case adjacente au monstre dont vous êtes le plus proche. Et là, du coup, le monstre plus proche chez lui, je vais me téléporter dans une case adjacente à lui. Donc je vais me téléporter ici. Le monstre le plus proche de moi, 1, 2. 1, 2, 3. Donc c'est bien ici. Donc je vais me téléporter ici, comme ça je suis adjacent à la fois à lui et à lui. Euh... Et il me reste encore deux pour faire une attaque. Et je refais une attaque du coup sur lui. Et là, je fais 4, mais plus 1, 5, grâce à ça. Et eux, ils ont 5 défenses psychiques. Et mon épée fait des... Ah non, fait des dégâts magiques. Murder Merde 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 <laughs> Bon, dans le cul la balayette. Donc, pas de dégâts pour lui. Fin du tour. Fin du tour, fin du tour, fin du tour. Donc maintenant, maintenant on va faire les, euh, bah les, les, la génération des monstres et hein, des, des phases d'horreur. Là, il n'y a pas de donc, euh, toi, tu vas, Kim Richard, essayer de générer un monstre. 8, on génère un monstre. Un monstre de niveau 3, un Yeten, donc une espèce de gros truc dégueulasse, euh, qui arrive ici. Voilà. Alors. Voilà. Au début de chaque événement, ce monstre est éthéré. 1. Ah, D'accord. 6 points de vie, ok, 4. Lorsque ce monstre est défenseur, sur 7, le résultat de d'attaque devient 0. Ok, lorsqu'il défend, il défend très très fort. Lui va tenter de générer un monstre. Lui on fait un. Par contre, on ne génère pas de monstre. Ça c'est cool. Et on va faire une phase d'horreur. Ah, au début de la phase d'horreur, euh, retirer de la réserve autant de jetons que, je que détruit que la moitié des cases, des cases rituelles restantes. Donc il me reste 4 cases rituelles. Une, deux, trois, quatre cases rituelles. Donc j'en détruis 2. Ok. Euh, phase d'horreur. 6 on génère une horreur, bien évidemment. Au début du tour d'un du du monstre blessé, il en regagne 1 santé et perd 3 de vigueur. Ok, bon là pour l'instant, on n'a qu'un monstre. Donc on n'a que lui. Et on n'a que ce monstre-là pour l'instant. Ce monstre-là, qu'est-ce qu'il fait euh, ben, faut qu Il faut qu'il soit au corps à corps. Donc déjà, ben, il avance de 2. Donc il avance ici. Je vais mettre là. Et 2 et 1, 4. 2 et 1, 3. Et l'attaque magique de 2 contre chaque explorateur adjacent à ce monstre. Ben, il ne peut pas faire mieux de toute façon. Au début de chaque événement, ce monstre est éthéré 1. Au début de chaque événement, c'est à dire qu -ce qu'est-ce s'appelle un événement. Ah, oui, d'accord, c'est pas ils sont passés par les événements. D'accord, dès qu'un déclenche, il est terré Ok, bon. bah du coup, il va m'attaquer avec 2D noir, 3D blancs. Oh putain, sur lui là, c'est une attaque magique. Hein. Donc, du coup, il me, il me défonce ma mère. Et voilà, il n'y a pas tant il n'y a pas à le du voilà. Ça va être tendu. Allez, toc, tout le monde en à 6. Toc, toc. Euh, pourquoi j'ai perdu mon jeton Qu'est-ce que j'ai foutu Hop, hop, comme ça. Voilà, je suis n'importe quoi. Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire Là, toi, avec ta fossile, tu vas me faire 3D noirs sur lui. Ok. 5, euh, du coup, je fais que 3. Et je recommence. 6. Là, cette fois-ci, je le fais une blessure à lui. Et... Putain, au point de jour, je meurs, hein, mais c'est pas grave. Enfin, Ce n'est pas grave. OK. Ensuite, toi... Eh ben, du coup, ben, on, va, on va faire les attaques magiques. Hein. Donc, il a combien Il a 600 en défense magique, hein, les, les petits machins. Là. Donc, avec ça... J'ai ça, plus ça, plus un grâce à mon truc. Plus un grâce à ça. Euh, et tiens, d'ailleurs, j'ai dépensé l'essence le, le, là. ça revient là. Est-ce que je suis, son, un non, je suis à un mur Non, je ne suis pas de à un mur. Donc du coup, bah, non, je ne peux pas. Donc lui, je vais finir, essayer de finir celui qui est là. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça marche donc ça tue celui-là. Hop, ça me fait gagner un d'essence. Grâce à ça, lorsque je tue, je peux dépenser un d'essence pour me téléporter dans une... adjacente au monstre dont je suis plus proche. Je suis plus proche de celui-là. Donc je vais me téléporter. Je ne peux, peux pas me téléporter là, je suis obligé de me non. non, je suis obligé de rester là. Je... En fait, je peux aller là, je suis obligé Comment est-ce qu'on y va sur lui-là je sais pas comment j'y vais sur lui en fait là là je peux dans cette case là a priori ouais donc je me mets là je peux pas aller là a priori. je peux pas aller là mais je peux pas aller là. ok euh, donc, donc ça fait 2. donc du coup je retente de taper sur je tente de taper sur lui de la même façon toujours pas de la santé à un mur mais c'est pas grave là je fais 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ça passe pas ils ont 6 de défense mentale et là 2 cas 6 c'est bon donc lui il prend une blessure Hop, et j'ai plus de jetons d'exploration. De, j'ai plus de, de, de vigueur. Et ça, ça a été utilisé. On va tenter de générer des monstres. C'est parti. Pour elle, là-bas, je fais 7, donc je génère un monstre. Qu'est-ce qui arrive comme saloperie Le bubop, bubop, euh, il va se générer euh, ici, le bubop. Euh, ensuite, pour lui, 3 va se générer un monstre. Non, on ne peut pas générer de monstre. Et l'événement d'horreur, 8. Du coup, lui devient éthéré. Lorsqu'un monstre subit une touche, chaque monstre dépasse une case. Ah, j'ai oublié que j'avais ça comme truc, comme événement, tiens. Réduisez les jeux d'attaque des monstres de 1. Bon, on va bien voir. Le problème, c'est que du coup, lui, il est éthéré, là. Parce qu'il fait phase d'événement, donc lui, il est devenu éthéré. Donc lui, il me laisse là, il a droit à deux attaques, il me défoncer 2 euh, D et 3 D blancs, OK, 2 D dans 3 D blancs, OK, on va voir ce qui se passe. <laughs> bon voilà. Hop, allez, c'est fini pour Jesse Monroe qui meurt. Parce que même enfin dé 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 défense, une attaque magique à qui fait hein, lui hein, euh, sa carte magique, même en magie, j'ai 1 2 3 4, 5, j'ai 5. Et là il vient de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc plus de Simonro. Le Bibop. Qu'est-ce qu'il fait le Bibop, lui Le Bibop, il... Euh, ok. Ah, voilà, il s'est déplacé jusqu'à deux cases à son entrée. Je vais le faire. 1, 2. Il arrive là normalement. 1, 2, je vais le mettre là, je crois. Donc, ça, c'est un, un truc encombré, donc il ne peut pas forcément y aller là. Je me rapproche parce que je ne vois pas trop là. 5, euh, il attaque euh, au corps à corps. Donc, 5, il bouge, faut qu'il bouge, il faut qu'il y tout le tour du merdier par contre là. Ce n'est pas évident. 1, 2, 3, je dirais 3. Là. là. En fait, là, tu ne veux pas aller sur celle-là au milieu, mais le tour, tu peux faire le tour, tu vois, là je suis. 1, 2, 3. Et du coup, pour deux, il attaque. Il me fait 1 de dégâts. Moi, en défense physique, j'ai 3, 4, 5. Donc ça, c'est bon, il ne me fait pas de blessure. Allez, c'est de nouveau à elle de jouer. Donc on va continuer, de... ben, on va arroser. Hein. On va arroser toujours avec nos deux dés noirs, 2 dés blancs. Il faut qu'on arrive à tuer celui-là. Ah non, euh, j'ai oublié de faire la phase d'événement. Mince, phase d'événement... Euh, j'en ai, Il me reste 3, donc 1,5, donc 2, j'en perds 2. Voilà, il faut que je pense à, à la, cette phase de rituel-là, ici-là. Ah, ah mince, tout cas, ce duel détruit est considéré comme une case franchissable. Flûte Ah, je ne sais pas, ah oui, bon, c'est pas évident, attends, je vais mettre comme ça pour dire qu'elles sont franchissables. Et donc, du coup, j il aurait pu se déplacer par-dessus. D'accord. Ça veut dire que là-dedans, il ne peut pas y aller là-dedans, en fait Mais comment j'y vais, moi, là-dedans c'est franchement pas clair, hein, là, à ce niveau-là. Hein. Bon, je considère que c'est vraiment le centre qui est, euh, qui est infranchissable, moi, pour moi. Et les autres, là, les cases comme ça, on peut y aller. Celle-là, on peut y aller. Celle-là, on peut y aller. Celle-là, on peut y aller. On peut y aller. Voilà. Il n'y a vraiment que le centre, ici, où tu ne veux pas te pointer. Euh, donc, bah, elle, du coup, elle a tenté de finir celui qui est là. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Ça passe pour tuer celui-là. Donc, celui-là, hop, il meurt... Je gagne un terres et je peux me téléporter. Un de deux, deux trucs parce que ça m'a coûté deux. Parce que je peux me téléporter avec ça. Putain, me téléporter une au moins, dont je suis le plus proche. Sauf que je suis proche de celui-là. Donc en étant proche de celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter ici entre tous les deux. Tac, voilà. Je me téléporte entre les deux là. Est-ce que je peux aller là Putain, Franchement. C'est super relou. Hein. Ah non, c'est une... un trou là. Je n'ai pas l'impression que je puisse aller là. Donc comme je suis là, alors est-ce que je me téléporte Non, moi je vais rester là en fait. Je vais rester là pour taper lui. Là, je n'ai pas l'impression que je puisse me téléporter là. C'est là d'avoir un trou. Donc je vais rester là pour taper sur lui. Il me reste deux attaques. Euh, avec deux, je peux essayer de le buter lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. C'est bon, donc je lui fais une blessure. Ah, je suis qui est derrière là. Et il me reste encore une attaque. 1, 2, 3, 4. Donc là, malheureusement, même 5, ça ne passe pas parce qu'il a 6 de défense psychique. Lorsqu'avant, subit une touche, chaque monstre déplace jusqu'à une case. Ah, je vais te faire ça. Bon, alors, c'est-à-dire que toi, tu avances là. Grosso, donc, grosso modo, tout doit être là. On va dire que, que c'est cachot comme ça. <laughs> Génération de monstres. 7, on génère un monstre, bien évidemment. On génère la sorcière qui revient. La sorcière, la sorcière, et où est la sorcière La sorcière, je l'ai vue. Euh, je l'ai vue, la sorcière. Où est-ce que j'ai fait la sorcière voilà. La sorcière, elle arrive là. Et phase d'horreur. Alors, phase d'horreur, du coup, il y en a 1, 2, 3 tués. tuer. Il en reste 2, donc je ne perds qu'un truc. Voilà. Et, hop, phase d'horreur. 5, je génère bien un horreur. Ça augmente de la menace qui est ici. Et du coup, on fait ça. Chaque explorateur perd un d'essence. cest à j'étais à zéro. Donc du coup, pas gênant. Ensuite, ils vont m'attaquer. Donc le Yeten, qui est ici, il a 4 de mouvement. Est-ce qu'il peut venir me faire chier euh, Non, parce qu'il y a lui qui bloque un peu le passage. Donc il veut te faire tout le tour pour emmerder. Donc ça tombe bien. Il fait 1, 2, 3, 4. Il arrive là. C'est tout ce qu'il fait. Ensuite, le Bubop. Lui, par contre, il me tape, le Bubop. Il me tape avec un des noirs, un des blancs. 5. 5. C'est une attaque physique. Est-ce que j'ai 5 d'armure Oui, j'ai 5 d'armure, mais ça passe. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends une blessure. Aïe, aïe, aïe. Je pense que la, la partie va s'arrêter assez rapidement. Deuxième attaque du Bubop. Là, il fait 4. Donc là, c'est bon, il ne me touche pas parce que j'ai 5 d'armure. Et enfin, la sorcière qui est ici. Alors, euh, détruisez une case d'action ciblée. Donc, à 2, 2, elle est là. Donc, elle, elle va cibler celle-là. Donc, elle détruit cette case-là. Et il me fait une attaque magique de 1 des noirs. 1 des noirs et 2 des blancs. 2 des blancs. Sur chaque explorateur. Donc, ça, ça lui coûte 2. Oula, bah c'est fini. C'est fini parce qu'elle me fait 1, 2, 3, 4, 5 de dégâts magiques. Et moi, je n'ai que 1, 2. J'ai que 3 de défense magique et j'ai rien pour euh, encasser les, les dégâts. Fin de la partie <laughs> Bon ben écoutez, alors, en conclusion, c'est assez fatigant. Euh, les parties sont alors, longues du coup parce que j'ai commenté, mais du coup, ça fait quand même deux vidéos de deux heures. Euh, à un moment, tu as beaucoup beaucoup de monstres à gérer et euh, tu t'y perds. Tu as vraiment beaucoup trop de monstres à gérer et c'est fatigant et tu t'y perds vraiment, vraiment. Voilà. Euh... Que Dire, je pense que je vais faire d'autres parties en off et puis je, je montrerai une petite conclusion après cette vidéo en fait, tout simplement. Voilà, par rapport à ça, pour que je donne un petit ressenti. J'ai pas envie de donner un ressenti à chaud parce que je suis fatigué et j'ai peur de dire, de dire quelques bêtises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, ranger et euh, je viendrai faire ma petite conclusion après euh, pour, euh, bah, pour dire ce que je pense de ce, de ce jeu. Euh, voilà, donc je me laisse le temps de la réflexion. Hein. Voilà, c'est pas un youhou, un truc génial d'entrée. Euh, ça, la partie s'est bien passée au démarrage, et puis après les monstres sont arrivés en, à la boucle, en chaîne, et moment euh, j'avais 7 monstres à gérer, et euh, mis à part se barrer comme un salaud pour espérer les, les faire se barrer du, du plateau, les bannir, je sais pas s'il y a d'autres solutions, mais ouais, bon, bon l'équipement tu l'as plus quoi. Donc, bon. Après ce que j'ai bien fait de, de rusher, tenter d'essayer de rusher cela, ben, ouais j'en ai plus qu'un, enfin j'en plus plus qu'un, et celui-là à finir quoi, ça aurait pu passer. Après, est-ce que les monstres. Est-ce que lui peut aller là, en fait ben Non, du coup, lui... si lui peut aller là, mais pas là. Parce que là, c'est une case, c'est une fausse, a priori. Donc lui peut aller là. Mais c'est tout. Bon. Allez, moi, je range et je vous dis à plus tard pour une petite conclusion par rapport à ce Machina Arcana euh, V3. Bisous Donc, comme convenu, mais aussi, pour une petite conclusion sur Machina Arcana. Alors, clairement, ce n'est pas un jeu que je vais garder. Euh, parce que, du coup, j'ai fait plusieurs parties. Euh, non, non filmées, bien évidemment, donc vous verrez que celles que vous venez de voir sur la chaîne je j'en je, je, je ferai pas d'autres euh, j'ai fait plusieurs parties, déjà c'est mieux passé parce que du coup j'ai lu les textes pour moi, ce que je n'ai pas fait durant la partie filmée ce qui m'a amené une immersion beaucoup plus intéressante et importante dans la partie parce que là les, les tests scénarios je ne les ai pas lus, les tests d'événements je disais que le petit truc en bas pour savoir quel était le Enfin, euh, le bonus ou le malus que ça allait m'apporter, pareil pour les armes, pareil pour les personnages. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai pris le temps vraiment de lire les histoires, les cartes. Bon, voilà. donc déjà une immersion beaucoup plus intéressante pour moi. Euh, par contre, euh, j'ai retrouvé un peu la sensation que j'ai eue dans cette partie filmée euh, de, bah, tu subis le jeu. Voilà. Là, que j'ai fait, donc j'ai fait deux autres parties, une avec deux, deux artisans et une avec un costaud et un mystique. J'ai perdu les noms. Euh, J'ai subi le jeu beaucoup plus que la partie filmée. La partie filmée, au départ, ben, les monstres ne se sortaient pas, ne, généraient, ne se généraient pas. Donc les, les, les premiers tours étaient assez calmes. Là, euh, à chaque tour, j'avais des monstres qui sortaient. Donc euh, au début de partie, je me retrouvais avec 5-6 monstres à gérer. Et je passais mon temps à passer de tableau en tableau pour essayer de, 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 de leur échapper. Alors ça fonctionne, parce que moment, ben, tu arrives à les semer. Sauf attendant, bah, tu ne gagnes pas de points. Euh, voilà, il y a plein de choses que tu ne fais pas. Euh, donc, euh, c'est... Donc voilà, tu J'ai l'impression de jouer, vraiment jouer contre le jeu. Euh, et du coup, euh, l'aspect dungeon crawler, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, effectivement, tu reportes un donjon, mais par contre, tu ne vas pas y taper les monstres, quoi. Voilà. Euh, pour essayer de progresser dans l'aventure, au contraire, j'ai envie même de me dire, euh, plus tu les évites, mieux c'est euh, les monstres. Parce que... Euh, parce que, au bah, bout d'un moment, enfin, voilà, si tu n'arrives pas à t'équiper, euh, et que tu vois poter des monstres niveau 2 et que tu as encore des objets de niveau 1, c'est très très compliqué. Ça m'est arrivé une fois, je n'ai pas réussi à avancer dans les chapitres. Donc, je n'ai pas débloqué des objets, les objets de niveau 2. Et des monstres niveau 2 sont apparus. Et j'étais encore avec des monstres, des objets de niveau 1. Et je n'ai pas réussi à avoir des combos comme des combos intéressantes comme j'ai pu faire avec cette partie filmée que vous avez vue. Enfin, la partie filmée, du coup, parce que bon, voilà, je suis un peu en décalage dans le temps, mais vous, pour vous, c'est instantané. Euh, avoir des combos intéressantes ou comme j'ai pu l'avoir avec le, le, le... Merci. Jesse, Monroe, là. Euh, il avait des trucs qui permettaient de diminuer la défense de l'adversaire et puis après de taper. <laughs> j'ai pas, ce... pas réussi à avoir ce genre de, de choses avec mes autres personnages dans les autres parties, ce qui fait que bah, je me retrouve avec des, objets de... des attaques de base des objets de niveau 1 pour taper des monstres de niveau 2, c'est impossible. Si t'arrives pas à avoir au moins 3D, 3D blanc, euh, tu oublies quoi, parce qu'il va falloir faire 5 d'armure, euh... enfin, c'est pas possible. Tout euh, ça pour dire que ce jeu, bah, du coup, euh, ça reste quand même un bon jeu. <coughs> Je pense qu'en termes de rejabilité, il est assez important. Parce que même si les scénarios, tu les, tu les fais, tu les refais, les tuiles ne sont jamais les mêmes, les événements ne sont jamais les mêmes, les monstres ne sont jamais les mêmes. Alors, les monstres, si, enfin, le monstre niveau 1, tu, tu boucles au bout d'un moment quand même, ils reviennent. Mais ils ne vont jamais être positionnés au même endroit, les tuiles vont être, être faites de telle façon qu'ils bah, ne vont jamais avoir le même comportement. Ils vont cibler des cases, ils vont cibler d'autres bonhommes, voilà, ils vont faire d'autres choses. Euh. Donc, je pense qu'en termes de rogibilité, il y a quand même matière, sans avoir les extensions, de se faire plaisir. Euh, voilà. Par contre, moi, euh, moi j'adore l'univers post euh, Steampunk, Steam pardon. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Mais la mécanique du jeu me refroidit un petit peu. Dans le sens où cette mécanique. Euh, voilà. Enfin, euh, c'est pas un dungeon de crawler, tu subis le jeu. quoi. Tu dois t'attendre à subir le jeu. Voilà. Et pas. Il faut, faut pas aller désinguer du, du, du monstre, sinon tu sors un zombicide mais euh, tu vas pas les désinguer les monstres. Pourtant, dans un crawler, je joue à sans euh, je, je, je suis en train de faire les mâchoires du lion. Bon, effectivement, tu as des objectifs, mais des fois, bah, tu vas désinguer les monstres parce que tu as un besoin pour passer. Et ils vont pas revenir. Là, à chaque tour, ils reviennent. Ils peuvent revenir. Pour des GD malheureux, ils reviennent. Donc tu peux te retrouver avec une horde incessante de monstres sans pouvoir arriver à t'en dépatouiller. Quoi. Donc il y a des parties qui peuvent très bien se passer, et des parties qui peuvent... Très mal se passer, des deux parties que j'ai faites, je ne suis même pas arrivé à la moitié du, du scénario avant de perdre mes deux bonhommes. Voilà. Et euh, l'autre, je suis arrivé à peu près vers la fin. L'autre, je l'ai fini. Si, si, l'autre, je l'ai terminé. Tant bien que mal. Euh, mais j'ai réussi à le finir. Donc voilà. Donc mon petit ressenti sur ce Mekin Arcana, euh, ben, je pense que vous le verrez sur Ocasio d'ici peu de temps. Je le mettrai en vente, à mon avis. Euh, après, le matériel est de vraiment bonne qualité. La boîte est très bien faite, une boîte très compacte, très dense. Euh, voilà ceux l'ambiance et quand, même, est quand même cette mécanique-là, euh, faites-vous plaisir, je pense, c'est quand même un très bon jeu. En plus des... enfin, Moi j'aime bien les standis, tu n'as pas besoin de les peindre, donc c'est plutôt cool. si Tu perds un peu en visibilité par contre. Euh, des fois j'ai trouvé que les lieux n'étaient pas très, très lisibles, pas très très visibles. Euh, et puis ces règles de, de portée de vue, de, de mettre le plus proche, mettre le plus loin en fonction de, de, de telle ou telle situation. C'est jamais la même règle est utilisée. C'est un peu déroutant au début, mais tu t'y fais. Et vous avez vu, sur la vidéo, même sur la fin, je ne me prenais même, quasiment même plus la tête de savoir qui était plus proche ou pas. J'avançais un peu comme ça. Je pense que j'aurais dû rester concentré et je n'ai pas... J'étais fatigué. Et je n'étais pas, pas assez concentré pour, pour gérer les règles comme il fallait sur la fin de la partie. Voilà. Donc, j'aurais dû faire une pause plus grande que ce que je n'ai faite euh, pour vous présenter un contenu un peu de meilleure qualité. Mais là, sur le coup, ça ne s'est pas fait. <laughs> tout simplement. Voilà. Tout ça pour dire que ce maquin Arcana, euh, Voilà. Voilà. Bah, je suis déçu qu'il ne me plaise pas en fait. Je ne suis pas déçu du jeu parce que, parce que en fait, quand j'ai lu les règles sur le, le, K, le, le KS, je ne me suis pas rendu compte que ça allait être un jeu de ce style-là où tu allais subir le jeu, où les monstres allaient popper de manière incessante. Euh, enfin, à ce point-là, quoi. Vraiment à ce point-là. Euh, et tu peux te retrouver submergé parce que, bah, parce que bon, non, les monstres, bah, tu ne voilà, tu peux plus les gérer tout simplement. Quoi. Et qu'il faut fuir. Il ne faut pas hésiter à fuir en fait. Pas hésiter à changer de tuile, c'est une stratégie de jeu. Hein. Changer de tuile, changer de tuile jusqu'à ce qu'ils disparaissent en fait. Euh, c'est une stratégie de jeu. Euh, voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu de toute façon, et puis j'espère que ce jeu a quand même des, des adeptes, hein. il n'y a pas de soucis par rapport à ça, il va retrouver son public. Moi, cette version va être en vente d'ici peu de temps, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein. faites-moi signe. Voilà, allez, je vous fais des gros gros bisous, et je vous dis à plus tard pour de, pour de nouvelles aventures. Salut, salut